participer au dépistage. Enfin, quelle analyse faites-vous de la situation de ces dernières semaines? De plus en plus de personnes se font tester et l'on constate désormais certains délais. S'il fallait malheureusement accroître encore les dépistages, comment s'organiser selon vous pour en assurer le bon déroulement? Avant de débuter l'audition, je vais vous demander de prêter serment. L'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment et de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vais donc vous demander de toutes et tous lever la main droite et de dire je le jure. Merci beaucoup. Je vous rappelle que cette audition est publique, elle est donc diffusée en direct, puis consultable en vidéo. Elle fera également l'objet d'un compte-rendu écrit et sera publié. Alors, je vais vous demander de débuter cette audition avant les questions par un propos liminaire. Le fait que vous soyez cinq, je vais donc vous demander, autant que faire se peut, d'avoir des propos assez concis pour qu'on puisse arriver à passer toutes les questions dans un temps raisonnable. Je vous laisse la parole. Comme vous voulez, dans l'ordre d'organisation, je vous laisse faire. Merci. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur, Mesdames, Messieurs. Bah, écoutez, on vous remercie d'abord de nous recevoir parce que je pense que les laboratoires privés peuvent en témoigner. On a été quand même en première ligne dans la gestion de cette crise. Et comme vous l'avez rappelé en liminaire, je peux simplement vous dire qu'on fait un constat aujourd'hui de la difficulté que nous avons eu à mettre en route, en fait, les examens que le gouvernement nous demandait, pour des raisons à la fois techniques et à la fois simples, et aussi administratives et réglementaires. Donc je pense que mes collègues, j'ai vu le docteur Perotto tout à l'heure, complétera sur ce que j'appelle la qualité des tests, le contrôle par le COFRAC, etc. Et donc je ne vais pas empiéter sur ce qu'il souhaite dire. Donc simplement pour rappeler que nous sommes soumis, nous, à des textes réglementaires. Nous ne pouvons pas faire des examens si nous n'avons pas un journal officiel. Et donc, si nous n'avons pas effectivement quelque chose qui met dans la loi, dans un arrêté, le fait que ce test est remboursé. Et donc, cet arrêté est sorti le 7 mars, en application le 8 mars 2020. Donc, c'est vrai que commander des tests, acheter des matériels, prévoir, en sachant pas à l'avance ce qui va être remboursé ou pas, ça a donné déjà des difficultés au départ assez importantes. Comment fonctionne un examen de biologie? Ben, il faut qu'il soit validé, enfin en tout cas qu'il ait la validation de la Haute Autorité de Santé. Et la Haute Autorité de Santé se reporte évidemment sur le fameux CNR des maladies respiratoires que vous connaissez bien, et donc qui est ce centre national de référence qui va donc étudier la possibilité d'utiliser tel ou tel test. Nous étions à l'époque sans alerte, comme en Allemagne, où il n'y a pas eu de lanceur d'alerte qui a finalement secoué un peu les choses plus tôt. Et donc nous sommes arrivés dans un marché économique contraint dans lequel nous devions acheter et nous procurer des matériels avec beaucoup de demandes et finalement une offre restreinte, puisque dans l'arrêté qui était paru au départ, nous avions été autorisés à avoir seulement 6 tests, 6 réactifs différents. Il a fallu batailler pour que ça s'ouvre le 18 mars. Et puis, dans la période du 29 mars, nous sommes aboutis à peu près à 34 tests différents. Donc, aller sur un marché économique dans lequel vous avez une demande mondiale, vous avez des restrictions fortes pour acheter, et en plus, vous êtes limité dans le panorama que vous pouvez acheter, c'est évident qu'on se trouvait dans des conditions tout à fait défavorables. Et à partir de ce moment-là, nous avons vu qu'effectivement, il a fallu batailler pour absolument élargir les tests qui étaient utilisables par les laboratoires privés. D'autre part, petite subtilité, cet ARN monocaténaire que vous savez, ce virus, peut-être, vous l'avez déjà lu, il a aussi, on demandait de le dépister avec deux épitopes, deux choses différentes, alors que certains tests étaient utilisés avec un seul possible. Et donc ça, la majorité des laboratoires qui avaient été équipés en biologie moléculaire étaient sur ce genre d'examen avec une seule détermination. Et donc, tous ces tests-là, en fait, qui étaient déjà en stock, ne pouvaient pas être utilisés, en tout cas, n'étaient pas remboursables par l'assurance maladie. L'assurance maladie précisait bien dans son arrêté qu'effectivement, c'était des tests spécifiques et qui avaient ces qualités-là. Et donc, ça c'était devenu très, très compliqué pour les laboratoires. On a essayé jusqu'au bout de batailler avec l'HAS, on n'y est pas arrivé. Et donc, aujourd'hui, effectivement, il y a des gens qui, au départ, avaient ces tests, avaient la possibilité de les faire, que ce soit dans le privé ou dans le public d'ailleurs, et qui n'ont pas, en fin de compte, eu la possibilité de le faire. Sauf que dans le public, bon, a priori, ils ont continué à l'utiliser. Nous, dans le privé, nous, c'était soumis au remboursement de la sécurité sociale. Donc, déjà ça. Ensuite, les EPI, les écouvillons, vous avez tous vu ça à la télévision. Maintenant, on ne va pas revenir là-dessus. Il faut savoir simplement, dans un fait, que les marchés ont été aussi préemptés.
Nous avons essayé d'avoir des possibilités d'approvisionnement et que ces marchés ont été préemptés, soit à direction d'autres pays, parce qu'ils mettaient plus d'argent sur la table, soit directement au niveau des autorités, peut-être, il faudra regarder ça, voir comment ça a été fait. Mais en tout cas, on a eu des difficultés d'approvisionnement. Peut-être que mes collègues l'évoqueront. Au départ, on avait sous 8 jours, et puis après, c'était 15 jours, 3 semaines, et on n'était pas livré. Donc, en fait, on a démarré dans des conditions extrêmement difficiles. L'accréditation, mes collègues en parleront. Il y a actuellement 117 plateformes qui sont autorisées en France. Et c'est quelque chose, je relisais des textes pour vous dire, de 1199 de notre syndicat qui demandait déjà avoir des extensions de biologie moléculaire. Donc ça, je parle d'une histoire qui date de plus de 20 ans. Donc ça veut dire que cet épisode de crise, si on doit en apprendre quelque chose, il faudrait peut-être moderniser un peu notre biologie vers la biologie moléculaire, qui est une biologie moderne et qu'il faudrait en équiper peut-être un peu plus le pays. Donc tout ça a fait qu'à un moment donné, on s'est retrouvé dans des conditions difficiles. Et en plus, les laboratoires étant responsables d'assurer la biologie courante. Nous avons dû fermer un certain nombre de sites par précaution ou fermer à des heures, réserver des heures où on prélevait le Covid. Alors, je ne vous raconte pas la bataille des masques, vous l'avez vécu. Les biologistes médicaux ne sont pas dans la code de santé publique. Il y a le pharmacien, il y a le médecin, il y a la sage-femme, il n'y a pas le biologiste médical. Et donc, les masques n'ont pas été livrés par les pharmaciens au début. Il a fallu qu'on bataille avec le cabinet de la ministre ensuite pour essayer d'avoir ces autorisations d'avoir ces masques, non seulement pour les biologistes, bien sûr, mais pour les techniciens. Je vous rappelle que pour nos techniciens, c'est arrivé fin avril. Donc pendant tout ce temps-là, a fallu que ça soit du système D, et je vous promets que c'est vraiment du système D, a fallu que ça soit la démerde pour qu'on puisse y arriver de façon correcte et protéger nos salariés, qu'ils ne soient pas contractés par le virus, qu'ils puissent assurer une biologie courante, et ça, c'est extrêmement compliqué à gérer. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où les tests, nous les avons. Nous avons du matériel. On parlera peut-être de ce sujet dans un deuxième temps. Je voulais exprimer un dernier point avant de passer la parole à mes collègues. C'est la gestion administrative de cette crise. En fait, nous avons découvert, si on ne le savait pas déjà, mais moi je l'ai quand même un peu plus découvert, même si ça fait longtemps que je suis dans le circuit, les strates administratives, les décisions, les co-décisions ou les administrations qui se battent entre elles pour prendre une décision, pour qu'il y ait une décision cohérente qui soit prise rapidement. On nous a demandé pendant des semaines des données dans un sens, dans l'autre, à différents étages de l'État, à différents étages des régions. Et je peux vous croire, quand vous êtes au milieu et que vous avez des centaines de patients à prélever, que vous avez autre chose forcément que donner des statistiques tous les jours. Et en fait, on a été une demande permanente. Donc ça a été une mise en place que je trouve extrêmement dure. Et si on avait quelque chose qui est une vertu du Ségur, qui pourrait arriver, ça serait peut-être de simplifier cette décision en période de crise, qu'au moins on ait un interlocuteur, que les choses soient décidées et qu'on avance. Je pense que les biologistes, et j'ai jamais entendu quelqu'un au niveau politique remercier les personnels de laboratoire, dont je voulais le faire devant vous, parce qu'on n'en parle jamais, depuis 4 mois ils sont sur le pont, on a eu des milliers de cas positifs qu'on a détectés, il n'y a jamais eu un mot pour nous, il n'y a que les soignants qui comptent, bon, très bien, ok, mais en tout cas, il a fallu faire les diagnostics. Donc pour ça, je vous dis vraiment avec mon sentiment et le ressenti de cette crise en liminaire. Monsieur le Président. Messieurs, mesdames, je vais essayer de, pour ma part, de lister un peu les problèmes que nous avons eus pour essayer qu'ils ne se reproduisent pas dans l'avenir. Donc je ne reviendrai pas sur tous les problèmes techniques et sur tout ce que vient de dire François, mais je voudrais encore vous faire remarquer, donc, comme il l'a dit, au niveau des salariés, alors les biologistes, nous n'existons pas et nos salariés encore moins. Donc on a toujours eu des problèmes. Dans les petites villes, ça pouvait aller, mais le problème, on n'avait pas de personnel pour pouvoir faire le travail dans les laboratoires, puisque nous avons essentiellement du personnel féminin, et c'était la croix et la bannière pour essayer d'avoir des places en crèche qu'elle ne pouvait pas avoir. Donc notre personnel était resté chez lui pour garder les enfants, étant donné qu'on a essentiellement des femmes. Donc ça, c'était un très gros problème. Ensuite, on a un autre problème maintenant pour la reprise du travail. La médecine du travail, donc on a un certain nombre de personnels qui est à risque, et la médecine du travail, malheureusement, ne fait pas son travail. C'est-à-dire que c'est la croix et la bannière pour que les personnes puissent à nouveau retravailler. Donc on a des personnes diabétiques dans notre personnel, des personnes à risque, etc. Et c'est infernal, on n'arrive pas à avoir des rendez-vous. Et sans cette autorisation, il est impossible que notre personnel reprenne. Donc c'est un gros, gros problème.
Ensuite, pour tous les problèmes de masques, vous êtes tous au courant, donc vous savez, je ne vais pas revenir là-dessus. Ensuite, on a aussi, par rapport à l'attitude de nos confrères officinaux qui ne nous ont pas facilité le travail. C'est-à-dire que, suivant, si vous aviez de bonnes relations avec le pharmacien, vous pouviez avoir des masques. Si vous avez, bon, si c'était plus ou moins tendu, c'était un peu la galère. Sans compter que notre personnel ne pouvait toujours pas avoir de masque pour travailler. Donc on a réussi, on avait des sources d'approvisionnement. De la même manière qu'on avait des sources d'approvisionnement parallèles pour avoir les FPI, tout le matériel de prélèvement. Mais ça a été quand même. Donc si on pouvait un peu faire qu'on existe et que notre personnel existe, ça nous arrangerait. Alors ensuite, je vais vous parler des problèmes du financement. Parce que on a eu un énorme cafouillage. Donc. On a eu des ordres et des contre-ordres. On ne savait plus à un moment donné qui avait droit au remboursement, qui n'avait pas droit au remboursement, qui était éligible. C'était très compliqué. Même notre personnel donc n'y arrivait pas. On était constamment sollicité. Bon, donc ça c'était le début. C'était vraiment très très compliqué. Ensuite, là je vous parle en tant que vice-président de la CHAB, donc la commission d'hiérarchisation des actes de biologie médicale. Donc c'est au niveau de la caisse primaire. Donc ni la caisse primaire, ni les professionnels n'ont été consultés pour la mise en place du remboursement de la PCR Covid. Ce qui fait que dans les textes, il y avait encore des choses qui n'étaient pas très claires et qui pouvaient être sujets à interprétation. Donc c'est un peu dommage qu'on se passe de notre expertise pour rendre les choses beaucoup plus claires. Bon, ensuite, on a un autre problème, c'est que on ne sait toujours pas qui va payer. À l'heure actuelle, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une enveloppe de biologie médicale. Cette enveloppe sert à rembourser tous les tests courants. Cette enveloppe est limitée. Or, on ne sait toujours pas sur quel budget les tests Covid vont être remboursés. On n'a toujours pas d'éclaircissement. On avait une réunion avec M. Revel où on devait enfin éclaircir les choses. Bon, il a été nommé au cabinet du Premier ministre, donc on attend donc que la sécurité sociale revienne vers nous et qu'on sache exactement qui va payer. Parce qu'il est hors de question que ce soit la biologie médicale de base, qu'on fait tous les jours, les glycémies, les cholestérols, etc., paye les Covid, sachant que dans quelque temps, on risque en plus de faire exploser les chiffres. Donc on ne peut pas. Il faut savoir que, bon, je ne vais pas faire le misérable, mais ce n'est pas des tests dans lesquels on gagne des 100 et des 1000. Bon. Alors ici, il y a un autre problème aussi à ce propos, c'est qu'on demande à ce que la grippe soit remboursée par PCR. Ça fait plus d'un an qu'on galère et que ça risque de devenir un problème aigu si, d'ici cet hiver, la grippe n'est pas mise au remboursement au même titre, enfin par PCR, au même titre que le Covid. Parce qu'on va avoir absolument besoin de faire des diagnostics différentiels pour ne pas faire n'importe quoi. Donc pour nous, c'est aussi une question très très importante pour l'avenir. C'est la possibilité de rembourser les tests de grippe par PCR qui sont beaucoup plus fiables que les tests qui sont actuellement remboursés. Donc c'est très très important. Voilà. Bon, après, donc, je peux. Alors donc par rapport au COFRAC, on a eu une réaction un peu indécente du COFRAC au début, un courrier qui a été adressé au laboratoire en nous menaçant de lever notre accréditation. En fait, les laboratoires maintenant sont suffisamment adultes et on sait ce que c'est que de la validation de méthode. On est tous pratiquement à 100%, donc on sait comment marche. Et on ne s'est pas lancé à faire de la RT-PCR sans savoir ce qu'on faisait. Donc, avant de lancer les techniques, on a mis entre 8 et 15 jours pour pouvoir lancer les techniques et être sûr de ce qu'on faisait. Et pas rendre n'importe quoi. D'où, c'est là où je rejoins aussi ce que dit Françoise, on ne peut pas faire du jour au lendemain quelque chose. C'est impossible dans notre métier. Actuellement, ce n'est pas possible. Il y a la sécurité et la qualité qui comptent. Donc, ça, c'était pour. Alors, en revanche, donc, je vais quand même. Il y a un point positif dans toute cette histoire. C'est en fait, comme le dit François, on avait demandes dans tous les sens pour donner des renseignements, pour alimenter les données. Bon, il y a eu quelqu'un qui a eu la bonne idée de faire le SIDEP. Ça nous a simplifié la vie.
C'est quelque chose qui a été mis en place de manière très efficace en pratiquement 15 jours, en parfaite concertation avec le ministère, les biologistes et les fournisseurs d'informatique. Et donc, ça a été plutôt une chose positive. Et ça nous a vraiment simplifié la vie, parce que l'administratif prend plus de place que le technique et le médical. Voilà, donc, ça, et ensuite, en province, alors je ne sais pas sur Paris, mais moi je suis en province, donc il y a eu une vraie travail avec les ARS, avec les CHU, avec les SDIS, enfin avec les différentes structures de l'État. Et ça se fait dans la bonne intelligence. Donc on souhaiterait que ça perdure et qu'on mette en place des structures qui permettent qu'on puisse échanger, qu'on puisse avancer, comme on a pu le faire dans certaines régions. J'ai d'autres choses, mais... Écoutez, beaucoup de choses, pratiquement tout. Hein. C'est-à-dire que presque tout a été dit. J'insisterai sur quelques points. Le prix du test PCR, et d'ailleurs pareil pour la sérologie, est tellement bas, c'est le plus bas d'Europe, qu'au moment de la crise, on n'arrivait pas à avoir justement des réactifs parce que précisément les fournisseurs les vendaient aux autres pays qui les payaient plus cher. Donc ça, c'est un problème qu'on a évoqué, mais qui n'a pas abouti puisqu'il est resté au même prix. Ensuite, je voudrais vous dire qu'on a attendu longtemps que les tests autorisés soient validés, longtemps. Alors les uns et les autres achetaient des tests sans savoir s'ils allaient être validés ou pas. Et puis ensuite, évidemment, lorsqu'ils ont été validés, tous ceux qui avaient été achetés pour rien ont été perdus. Donc ça, c'est quelque chose que je voudrais dire aussi. Ensuite, je voudrais insister sur le fait que même aujourd'hui, nos secrétaires n'ont pas droit à avoir des masques. Même aujourd'hui. Moi, je sais que c'est moi qui ai donné les miens souvent aux secrétaires parce que c'était invraisemblable qu'elles soient en première ligne, qu'elles ne soient pas protégées. Donc au début, maintenant, c'est un peu plus facile d'avoir des masques. Hein, mais au début, rappelez-vous au début, où il n'y avait aucun masque. Et donc, pour moi qui suis médecin, j'ai eu la chance d'en avoir. Au départ, mais les pharmaciens n'en ont pas eu au départ, biologistes, et puis ensuite les infirmières, et puis ensuite les secrétaires, mais personne. Alors même, je pense que ce n'est pas normal qu'on ne protège pas ceux qui sont en première ligne. Ensuite, je voudrais dire que le problème qui a été... Il faut savoir aussi que tous les laboratoires ne pouvaient pas faire ces tests-là. Il fallait avoir des laboratoires qui étaient adaptés, et donc c'est pour ça que tous les sites ne pouvaient pas faire ce genre de test. Et c'est pour ça qu'à un moment, on était limité dans le nombre de sites qui avaient la possibilité de faire ces tests. Il faut savoir que pour faire ces tests, il faut des conditions particulières que tous les laboratoires n'ont pas. Ensuite, écoutez, pour l'instant, oui, je voudrais aussi parler de la sérologie. Je ne sais pas si c'est d'actualité aussi, mais quand même, il faut quand même savoir qu'au départ, on nous a dit qu'on achetait de tous les côtés des tests de sérologie alors qu'ils n'étaient pas encore validés, qu'il fallait faire la sérologie. Donc, une foule de laboratoires ont commencé à acheter des tests de sérologie alors qu'on ne savait pas du tout si c'était efficace ou pas, s'ils allaient... Vous connaissez l'histoire, parce que tout le monde sait maintenant qu'il y a des problèmes au niveau de l'immunité, au niveau du fait qu'on est, on est contagieux ou pas. Ça, c'est pas encore très défini. Même maintenant, on ne sait pas pendant combien de temps on va être immunisé, puisqu'on n'a pas assez de recul. Et donc, au départ, on a parlé que de la sérologie. Puis ensuite, on s'est rendu compte que finalement, c'était pas fiable. Donc, c'est aller-retour avec ce problème de sérologie. Moi, je voudrais dire que ça n'a pas été facile de le gérer pour tous les laboratoires qui ont été obligés d'acheter des appareils spécifiques pour les tests. Je voulais vous dire que même pour la PCR, il fallait acheter des appareils spécifiques parce que ça ne rentrait pas dans tous les appareils que nous avions. Donc, certains ont été achetés et puis ensuite, ils n'ont servi à rien. Voilà, quelques réflexions. Mesdames, Messieurs les députés, Messieurs, Mesdames, merci beaucoup de nous recevoir déjà. C'est vrai que les biologistes sont généralement une profession un peu invisible et on nous donne rarement l'occasion de parler, donc merci de cette invitation.
Alors effectivement, tout a été dit par mes confrères ou mes collègues. Pour résumer, nous on voit effectivement deux phases. Jusqu'à avril, une phase de pénurie qui nous a beaucoup retardé. Une phase de pénurie avec des difficultés d'approvisionnement en équipement de protection individuelle, en matériel, en réactif, ça a été dit, en appareil également, parce que n'ayant pas de réactif, on a essayé de soit changer notre panel analytique, soit de changer de réactif, de fournisseur, et effectivement, c'était très compliqué. Il y avait une forte demande. Comme le disait Claude, le prix des réactifs faisait que des marchés étrangers étaient souvent préférés. On a eu aussi des problèmes de ressources humaines, parce que les arrêts de travail, nous avons une profession dans nos laboratoires, la profession est très souvent féminine. On a eu des problèmes de garde, on a eu des problèmes d'arrêt de travail, d'arrêt d'exercice pour donc défaut de garde, de personnel en arrêt Covid. On a eu beaucoup de sujets contacts. On a eu aussi une lenteur. On a noté une lenteur dans la validation des techniques du CNR. Comme le faisait souligner mon collègue, les biologistes sont aptes à valider une méthode. Et donc, on a trouvé ça très étonnant de devoir attendre un avis dont les rapports, entre parenthèses, n'a toujours pas été publié. Il est à noter aussi, pendant cette période de pénurie, une petite défiance du secteur privé, qui n'a pas vraiment été sollicité immédiatement. On lui a préféré le secteur hospitalier. C'est assez curieux pour nous, sachant que les laboratoires privés, avec leur maillage, avec leur expertise, peuvent faire force de diagnostic. À l'heure actuelle, ce n'est plus tellement un problème de pénurie que nous traversons, c'est essentiellement un problème de tension en personnel. Mais je crois que nous y reviendrons. Je ne sais pas si vous voulez que nous développons maintenant la situation actuelle, ou préférez rester sur les premiers mois de cette crise. On va passer aux questions, hein, si ça ne vous dérange pas, pour plus d'interactivité. Je commanderai... Ah ben allez-y, je vous en prie, oui, bien sûr. Voilà. Alors merci en effet de nous avoir invités pour nous exprimer. Donc je voulais juste dire que très très tôt, l'OMS a dit test, test, test. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais dit biologiste, biologiste, biologiste ou technicien de laboratoire, technicien de laboratoire, technicien de laboratoire. Pourtant, sans eux, pas de test. Donc je voulais dire que très tôt, fin février, donc vraiment tôt, plusieurs laboratoires privés ont proposé aux ARS ou à la DGS de tester les patients par RT-PCR COVID et qu'il a fallu patienter, patienter, patienter. Et malheureusement, maintenant on le sait, à l'époque c'est vrai qu'on ne le savait pas, mais maintenant on le sait, que c'est justement au début qu'il aurait fallu être très incisif dans le test, test, test. Donc ça, c'est la première chose. Donc il y a eu quand même une forme d'hospitalocentrisme, alors que nous, on a plein de confrères virologues hospitaliers avec qui on a énormément échangé durant toute cette période, des confrères de la Société française de microbiologie avec qui on a beaucoup échangé. On était prêts techniquement. Et pourquoi nous a-t-on demandé d'attendre ? Deuxièmement, les biologistes se sont mobilisés d'une façon extrêmement forte avec l'organisation de Drive, une mobilisation sans précédent, un travail 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, dimanche et jours fériés. Ensuite, on a demandé d'associer les techniciens au prélèvement, parce que pour prélever, il faut des bras, hein, ça ne se fait pas tout seul. Et très très vite, on nous a dit non, non, les techniciens n'ont pas le droit de faire les prélèvements nasopharyngés. Donc maintenant, aujourd'hui, en effet, c'est possible, mais c'est un peu tard, puisque nous sommes après le pic de l'épidémie. Ensuite, j'aimerais juste redire un mot sur la liste limitative DGS qui nous a beaucoup bloqués, puisque nous étions dans une situation de pénurie de tests. Et en plus, il fallait se reconformer, donc se re-restreindre à nouveau à cette liste limitative, alors que l'Institut Pasteur est extrêmement honorable. Ce sont de grands chercheurs qui ont produit des papiers remarquables. Mais les professionnels du diagnostic, ce sont nous, les biologistes médicaux. Enfin, cet hospitalocentrisme, pour moi, s'est conforté dans la réalisation des plateformes Covid avec des plateformes type BGI, qui ont été honnêtement très coûteux et peu efficaces. Et enfin, je rejoins mon confrère, j'aimerais vous parler de la grippe,
puisque là, c'est le moment. Ça fait des années qu'on essaye de faire passer le test GRIP à la nomenclature des actes de biologie médicale, et on n'a jamais été écouté. Et là, je crois que là on est prêt. Là, les infections respiratoires, je pense que là, vraiment, ça concerne tout le monde. Et j'aimerais vraiment qu'on avance, si c'est possible, avec votre aide, hein, sur ce point. Et puis, je suis d'accord, il y a eu des points positifs, je pense qu'on a gagné 5 ans en informatisation avec les autorités, grâce à CIDEP. Et j'espère, on espère tous, hein, en tout cas nous, au sein du syndicat des jeunes biologistes, qu'on va continuer avec toutes les autres maladies à déclaration obligatoire pour qu'on puisse se moderniser et informatiser et être utile pour la santé publique. Merci de votre écoute. Merci beaucoup. J'aurais trois questions assez rapides. Une première, je crois avoir déjà eu la réponse. Aviez-vous connaissance d'une doctrine de 2013 demandant aux employeurs de pouvoir avoir assez de matériel pour protéger leurs employés. Voilà, ça c'est la première question. Deuxième question, vous l'avez abordée à l'instant, madame. Depuis récemment, on voit qu'il y a un certain nombre de choses qui ont pu évoluer pour permettre un prélèvement dans un lieu différent de celui de l'analyse, d'avoir des techniciens qui peuvent prélever. Manifestement, effectivement, il faut qu'on puisse s'acheminer vers une capacité de test maximale. Quelle est votre vision par rapport au fait qu'on puisse éventuellement envisager de faire des tests sans prescription? Et je vais un petit peu plus loin. Quelle est votre vision des tests rapides d'orientation diagnostique, des TROD? Quelle est votre vision là-dessus? Quelle est votre vision quelles sont vos propositions plutôt pour pouvoir améliorer encore la capacité de test? Vous parliez tout à l'heure d'ouverture 7 jours sur 7 des laboratoires. Comment peut-on faire pour avoir un accès le plus facile possible aux tests, le plus rapidement, avec des tests de qualité? Et c'est la question que je vous pose intrinsèquement avec l'histoire du TROD ou du dépistage RT-PCR. Quelle est votre vision là-dessus sur la qualité? Voilà mes questions. Alors, je vous laisse répondre chacun en essayant effectivement d'être relativement concis, puisqu'on a un certain nombre de questions après. Merci. Ça y est, c'est bon. Donc, simplement pour ce qui concerne les masques, comme toute société accréditée aujourd'hui, tout ce qui est périmé, on doit le jeter. Ça a été comme nos amis chirurgiens-dentistes. Quand on a une masque qui est datée un petit peu d'une certaine époque, d'une ministre qui est aujourd'hui ministre de la Culture, nous avons jeté aussi des masques qu'on avait en stock. Donc, parce que tout ce qui est périmé doit disparaître de nos laboratoires, des stocks. On a des logiciels de stock. Et pour ce que vous évoquez de 2013, nous n'étions pas du tout avertis, en tout cas au niveau de nos laboratoires, d'avoir une obligation, en tout cas je vous le dis, pour nous, de se rééquiper et d'acheter des masques en quantité suffisante. On l'a fait au départ, simplement, comme vont le dire mes collègues, en s'approvisionnant sur les marchés, en protégeant tous nos salariés, ce qui fait qu'il n'y a eu pas de mort, en tout cas, à ma connaissance, je pense que mes collègues me confirmeront, dans notre métier, en tout cas, à la fois dans nos personnels et dans les biologistes. Pour ce qui concerne les capacités à faire, je crois qu'on a une décision qui a été prise par le président de la République. Maintenant, c'est une décision politique. Après, faut la mettre en œuvre. Pour nous, sur le terrain aujourd'hui, nous sommes en discussion avec l'assurance maladie pour étendre le champ des préleveurs. Vous l'avez dit, avec les techniciens de laboratoire, a été souligné, mais ça va être étendu à toutes les conventions qui vont être passées avec les sapeurs-pompiers, avec la Croix-Rouge, aussi au niveau du médico-social. Donc ça veut dire que si on veut prélever beaucoup de gens, il faut multiplier effectivement les points de prélèvement. Il faut assouplir peut-être les conditions dans lesquelles nous prélevons, parce qu'un drive, comme vous l'avez vu, et qui était à la demande des biologistes d'ailleurs pour créer ces drives en France. On a modifié l'arrêté pour cela. Ça fait des files de voitures. Et quand vous avez 100 personnes, ça va, mais 1000 personnes ou 10 000 personnes, c'est juste pas possible. D'autre part, vous avez remarqué que les queues qui se produisent à Paris, les mêmes on a en province, moins nombreuses, mais parce qu'on ne fait pas rentrer tout le monde dans la salle. Tout simplement parce qu'il faut être conscient que quelqu'un qui s'assied sur un siège, il faut le désinfecter, etc. Donc, ça veut dire que ces queues-là, elles existeront. Mais si vous les faites faire vraiment du dépistage de masse, ça veut dire qu'il faut trouver des grands espaces ouverts, il faut mettre des équipes, et il faut qu'on puisse prélever
en ayant la qualité de renseigner ce que vous dites mes collègues, le tuyau SIDEP, qui est un tuyau extrêmement efficace dans lequel les 402 sociétés françaises de labos privés sont connectées à 100% et font remonter au jour le jour le nombre de tests qui sont faits et le nombre de positifs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Il ne faut pas dégrader forcément la qualité du traitement administratif, parce que sinon, on dépistera tout le monde, mais on ne saura pas qui. Et aujourd'hui, vous avez tout à fait conscience qu'il y a des choix qui sont faits par les ARS. Soit l'ARS considère qu'il faut dépister un village entier, c'était le cas de Montargis, où le directeur de l'ARS a expliqué qu'il y avait des clusters, il fallait dépister tout Montargis. On a fait 4600 prélèvements, il y a eu 2 positifs. Donc ça veut dire qu'on a fait beaucoup de gens, mais on n'a trouvé que 2 positifs. Dans les Hauts-de-France, les 300 000 bons gratuits qui ont été envoyés il y a des biologistes qui faisaient jusqu'à 600 prélèvements par jour, 0 positif. Donc ça veut dire que si vous ne recherchez pas, vous n'allez pas dépister parce que vous faites un dépistage de masse et que les autorités politiques et que vous représentez aussi ne disent pas aux Français « protégez-vous quand vous sortez d'un test » parce que si une semaine plus tard, on va refaire les 65 millions et on va continuer comme ça. Donc ça sera juste pas possible. À mon avis, on n'y arrivera pas. Par contre, si on a des dépistages massifs, il faut avoir, un plan B d'organisation de masse. Ça veut dire que là, c'est des grands moyens qu'il faut mettre. Des plateformes téléphoniques pour répartir les gens. Il faut aussi avoir un pré-saisi des renseignements qu'on a besoin dans SIDEP, peut-être par des systèmes informatiques avant de rentrer, de faire avoir un pré-accueil, si vous voulez, au niveau du laboratoire. Donc tout ça, c'est des éléments techniques qui peuvent être mis en place. Mais pour les clusters qu'on vit aujourd'hui, celui de Corse, c'est un mariage. Celui de Bretagne, c'est un mariage. Moi, le cas que j'ai eu hier soir, le papa a 70 ans positif, la jeune fille fait la fête à Narbonne, elle est remontée, et donc on a un papa qui est devenu positif. Donc, vous voyez, il y a un moment donné, il faut savoir si on dit très clairement aux Français, vous vous protégez, et dans ce cas-là, on a effectivement une décision qui a été prise de protéger dans les locaux fermés. Je pense que cette décision a dû être prise le lendemain du déconfinement. À partir de ce moment-là, on avait une possibilité de faire des tests massifs et d'isoler les gens qui étaient positifs et de tester. Le système fonctionne très bien. Les cas contacts fonctionnent bien. Quand vous avez un R0, ça fonctionne bien. Après, le reste, il faut voir de quelle manière ça va être fait. Pour les trods, je vais vous dire, je suis tellement remonté que c'est pas la peine que je m'exprime devant cette tribune. En tant que membre de la Commission nationale biologie médicale, nous avons rendu notre avis. En tant que aussi mon collègue Jean Canarelli, qui est donc NOM, vous avez vu le Conseil national de l'Ordre des médecins avec tous les syndicats de médecins se prononcer, j'en dirai pas plus. C'est un gadget pour pharmaciens et on voit bien, même dans la NR aujourd'hui, que le président de l'Ordre des pharmaciens d'Indre-et-Loire confond IgM et IgG. Donc si vous voulez, bon, on ne va pas refaire les choses, mais je crois qu'à un moment donné, il faut être sérieux dans ce pays. Qu'est-ce qu'on veut vraiment faire? Je vous rappelle quand même pour mémoire, depuis le 13 mai que nous rendons tous nos résultats, nous avons fait 2 millions de PCR et 144 000 sérologies, les laboratoires seulement. C'est une sérologie de rattrapage. Ça ne sert pas de diagnostic au départ. C'est une sérologie qu'on rattrape. Je pense que la stratégie aujourd'hui du ministre de la Santé est clairement basée sur la RT-PCR. Maintenant, est-ce qu'on peut la simplifier d'une autre manière? Est-ce qu'on peut avoir accès peut-être en accélérant le prélèvement? Parce que le nasopharyngé, je suppose que si vous avez le testé vous-même, ce n'est pas quelque chose de très agréable. Est-ce que demain, on peut passer au prélèvement salivaire toujours en RT-PCR? C'est une question qu'on a posée à Olivier Véran. Il a dit que la commission de CNR réfléchissait à cette possibilité. On attend des réponses, mais c'est vrai que moi, je ne parlerai pas de deuxième vague. Je parle simplement d'une vague qui commence à arriver au déconfinement, qui monte peu à peu. Est-ce qu'on est capable de l'enrayer à un moment donné et de vraiment la clusteriser et d'arriver à cerner tous ces cas? Peut-être que c'est là la réponse qu'il faut apporter. Je voudrais revenir sur 2 points. Le premier point, les prélèvements. 4/5 des pays européens utilisent le prélèvement de gorge. Beaucoup plus simple à faire, beaucoup plus facile. Là, le vrai problème aujourd'hui, c'est le problème du prélèvement. Pour faire 1 million, le ministre nous demandait de faire un nombre de tests incroyable. Là, le problème, c'est le prélèvement. Si on simplifie le prélèvement de gorge, est donc plus facile, plus rapide et moins compliqué. Eh bien, je peux pas croire que l'Allemagne, l'Autriche, la Grèce, tous ces pays-là, elles font des prélèvements de gorge et nous, on est les. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. Juste une question. Avec. Il a dit, c'est pas.
le CNR n'est pas d'accord, etc. Avec la même sensibilité, même spécificité, par contre, juste pour... Écoutez, je veux dire, tous les pays européens le font. L'Allemagne, on a dit que l'Allemagne avait été en avance, nous, on est en recul, là, aujourd'hui. Alors, on pose le problème. Parce qu'il y a un problème de personnel. C'est uniquement pour ça, parce qu'il y a un problème de personnel, c'est plus rapide, c'est plus facile. Deuxième chose que je voudrais dire, c'est les trolls. Franchement, il faut dire ici aujourd'hui ce qui se passe. On a autorisé les pharmaciens à faire des trolls. Ils ne servent strictement à rien. Si le troll il est positif ou négatif, on doit contrôler en laboratoire par un test ELISA. Expliquez-moi à quoi ça sert. En plus, c'est embêtant parce que les gens ne comprennent pas bien, ils sont immunisés, ils ne sont pas immunisés. Bon, voilà, donc il y a un vrai problème. Moi, je ne comprends pas qu'on laisse encore ces trolls en pharmacie. Voilà. C'est un vrai problème. Parce que c'est un problème de santé publique, un problème de réalité au niveau des résultats. Et ça ne sert à rien puisqu'on nous dit, la HAS dit qu'il faut les contrôler, positifs ou négatifs. Expliquez-moi comment ça sert. Oui, je reviendrai. Pardon. Par rapport au problème des personnels, je suis un peu moins pessimiste. Je pense qu'on arrive à faire les prélèvements quand on a une certaine habitude. Personnellement, j'en fais quand même beaucoup tous les jours. Maintenant, c'est le problème administratif qui devient épineux. Si vous avez là la semaine prochaine, on nous demande d'aller sur une zone de touristes, on nous a dit il y a 500 personnes à prélever. Bon, ok, je vais faire les 500 prélèvements. Avec deux autres biologistes, en 4 heures, 5 heures, on va faire les prélèvements. Mais comment je vais savoir les enregistrer les personnes, savoir d'où ils viennent, savoir, enfin, tout ce qu'il y a à renseigner, savoir s'ils viennent d'une zone, s'ils habitent dans un immeuble, s'ils habitent tout seuls, s'ils viennent d'une zone... extérieur, enfin bref, il y a tout un tas de renseignements qu'on doit fournir, qui sont soumis au remboursement en plus, donc, mais qui sont totalement justifiés. Et ça prend du temps. Donc ça demande, il y a ça, il y a le problème des rendez-vous ou pas des rendez-vous. Donc si on veut tester, je ne sais pas, un million, ou enfin faire un million de tests par semaine, ça veut dire qu'il faut enregistrer et accueillir toutes ces personnes et saisir tous ces renseignements. Ça veut dire que déjà, on est complètement embolisé au niveau des standards des laboratoires. Partout dans la presse, vous voyez, j'ai essayé de téléphoner, ça ne répond pas. Ce n'est pas qu'on ne veut pas répondre, c'est qu'on est constamment sollicité. Donc il y a une partie purement administrative, logistique, dans laquelle il faudrait nous aider, si vous voulez, qu'on arrive à faire autant de tests que le gouvernement souhaiterait. Donc ça, c'est sûr, parce que sinon, on ne peut pas y arriver. Alors concernant les TROD, effectivement, notre avis rejoint ceux de nos confrères. Hein. Effectivement, c'est une aberration pour nous, c'est un non-sens, puisque d'un point de vue analytique, on sait très bien que la matrice en total est moins performante que la matrice sans centrifugé, enfin sérum plutôt, donc sans pré-traité. Et puis il y a un défaut de compétence aussi, puisque les pharmaciens n'ont pas fait 4 ans d'internat et donc ne sont pas à même d'interpréter une sérologie, une cinétique. Donc voilà. Comme l'a dit aussi Claude, de toute façon, la HAS recommande de contrôler un TROD positif ou négatif par une analyse en laboratoire. Donc, ce n'est qu'une perte de temps, un artefact dans le circuit du patient. Concernant nos problèmes actuels de tension en personnel, effectivement, pour que vous compreniez, on est passé d'une période pendant le confinement où nous avions des indications prioritaires de PCR. Et d'un coup, on a levé ces indications prioritaires pour passer à test, effectivement, mais outre les potentiels clusters, à savoir les cas contacts, les cas suspects, on a eu aussi tous les départs en vacances, tous les départs dans tous les pays, puisque désormais, toutes les compagnies aériennes demandent une PCR en moins de 72 heures. On a eu aussi toutes les activités des blocs opératoires qui ont repris. Donc, on a eu effectivement un afflux massif de PCR. Donc, moi, je pense qu'il faudrait aussi une doctrine claire dans la priorisation des tests. On pâtit, du moins en Ile-de-France, puisqu'on a noté un problème de saturation de nos capacités en Ile-de-France et en Mayenne, d'un manque de coordination. Je m'explique. La CNAM a envoyé des bons
pour dépistage à quelque 1,3 million de franciliens, mais les labos n'ont pas été du tout mis au courant. Donc tout cet afflux massif fait qu'à un moment, effectivement, nos standards ont explosé. Nous avions déjà du personnel en burn-out, nous avions du personnel qui devait partir en vacances aussi. On s'est retrouvé un peu démunis. Tous les laboratoires libéraux ont fait à hauteur de leurs moyens. Tous se sont organisés. Moi-même, je suis biologiste privé dans une petite structure dans laquelle je suis associé. On a une quinzaine de sites. On en a fermé deux. On a transformé en centre Covid. On a changé notre équipement. On a réagi. Chaque laboratoire fait à la mesure de ses moyens, de son personnel. Mais néanmoins, on arrive maintenant dans des échelles de dépistage qui sont de l'ordre de la ville, qui sont de l'ordre des capacités que peu de laboratoires peuvent suivre. Que ce soit un problème administratif, avec des injonctions administratives qui sont de plus en plus lourdes, ou un problème technique aussi. Donc moi, je pense qu'une première réponse, ce serait aussi de mettre en place des structures de réponses coordonnées qui pourraient associer plusieurs laboratoires ou de mise en commun de moyens. En tout cas, aujourd'hui, les laboratoires privés, pris indépendamment les uns des autres, ne peuvent pas répondre aux demandes de dépistage massif qui leur sont demandées. Très rapidement, parce que... Oui. Le problème aujourd'hui, c'est le problème de pouvoir faire tous les tests possibles, imaginables. Oui. Mais aujourd'hui, il faut une hiérarchie, parce que les personnes qui ont des symptômes, il faut les prendre en premier. Il faut prendre en premier aussi ceux qui vont être opérés. Or, vous avez des familles entières qui, aujourd'hui, viennent faire des tests pour partir rentrer dans leur pays, à droite, à gauche, et ils sont très agressifs, ils nous engueulent, c'est épouvantable. Et si vous voulez, ça prend la place de ceux qui ont peut-être un besoin plus urgent, etc. Donc il y a un vrai problème là-dessus. Comment le gérer? D'accord. Je ne sais pas. Mais en tous les cas, est-ce que c'est à nous de faire les tests pour que les gens qui veulent partir chez eux et voilà. Est-ce que ce n'est pas plutôt à protéger la population qui peut être... Voilà. Attends, merci. Non, madame, attendez. On va être d'une galanterie exacerbée. Madame voulait parler, après c'est à vous. Voilà. Et par contre, il faudra que M. Cohen, que vous éteigniez votre micro. Ah, ok. Merci beaucoup. Non, non, très, très brièvement. Déjà, je voulais revenir sur les tests gorge ou salivaire. Alors, c'est vrai que là, comme ça paraît très attractif. Mais il faut quand même dire que le gold standard, c'est le nasopharynx. Et qu'on risque de perdre en sensibilité. Parce que si c'était pareil, ça fait bien longtemps qu'on l'aurait fait. Voilà. Donc, il faut... Peut-être que le CNR ou la Société française de microbiologie se positionne, nous donne un avis clair. Mais quand on voit la biblio, il y a quand même beaucoup de papiers contradictoires et beaucoup disent que le nasopharynx doit être le gold standard. Et juste, j'aimerais revenir. C'est vrai ce qu'ont dit mes collègues avec les recommandations du Haut Comité de Santé publique. Au départ, il y avait une hiérarchisation très, très stricte des personnes qui devaient être dépistées. Et là, donc, plein de personnes Covid+ n'ont jamais pu être testées. Et c'est pour ça que la sérologie est là aujourd'hui. C'est pour faire ces diagnostics rétrospectifs. Mais là, je pense que nous sommes tombés dans l'excès inverse de tester tout et n'importe quoi. Quand on voit qu'actuellement, on a des taux de 1% de positifs, voire moins, il est possible que nous cherchions une aiguille dans une botte de foin. Donc, il est très important que nos autorités nous disent de façon très claire qu'est-ce qui doit être prioritaire pour qu'on puisse gérer, nous, les flux correctement et qu'on puisse faire de la médecine raisonnée. Et enfin, juste pour terminer... non, mais voilà, j'ai fini. Ah ben, très bien. Oui, le problème... il est double. C'est-à-dire qu'on peut être en capacité de faire 1 million de tests par semaine. Le problème, c'est qu'aussi, on a toute la biologie de ville courante, qu'on a déjà laissé tomber pas mal de gens pendant les 3 mois, et on a vu une recrudescence d'infarctus, on a vu une recrudescence de problèmes au niveau des diabètes, on a vu un certain nombre de pathologies qui sont ressurgies à grosse échelle. Moi, j'ai un laboratoire dans une très grosse clinique en province. Le service des urgences a pratiquement arrêté son activité. On a un service d'oncologie, on n'a fait que les suivis d'oncologie, on n'a pas introduit les nouveaux patients, donc ça pose quand même problème. Enfin, il y a un certain nombre de problématiques où on doit en plus gérer tous les jours, le tout venant,
comme d'habitude, et en plus faire les tests Covid. Donc il ne faut pas oublier qu'on a toujours notre patientèle qui existe et que ça deviendra un problème de santé publique beaucoup plus général si on n'arrive pas à soigner les patients autres que les Covid. Merci. Monsieur le rapporteur. Bien, merci messieurs. D'abord, vous nous l'avez souligné, mais permettez-moi d'abord de vous remercier pour le rôle que vous avez joué, vous, vos collaborateurs, dans cette crise. Je vous ai entendu avec beaucoup d'intérêt. J'arrive pas à ce stade à vraiment hiérarchiser, à toujours mesurer quelles sont les causes principales. Il y a deux sujets. Il y a ce qui se passe aujourd'hui, j'y reviendrai, mais surtout ce qui s'est passé au début de la crise. Au début de la crise, on a eu les chiffres avant la mise en place de la plateforme Cyged. Il y avait 12 940 tests sur les deux premières semaines en France, de mars. Il y en avait 252 000 en Allemagne, c'est-à-dire, si je compte bien, 20 fois plus. 20 fois plus, c'est ce qui, on le verra par la suite, mais est sans doute peut-être un lien de cause à effet dans les taux de létalité. Vous avez évoqué plusieurs difficultés, mais comment vous les hiérarchisez ? Problème administratif, bon, l'Institut Pasteur sort le test, je crois, le 24 janvier. Qu'est-ce qui est là ? Il y a un cumul de facteurs, vous l'avez rappelé, je vous ai entendu, mais voilà, blocage administratif. J'ai un peu de mal à comprendre la question du financement. Tant qu'il n'y a pas l'arrêté de financement de la CAMS, vous pouvez pas utiliser les tests. Donc, est-ce que ça, c'est réellement bloquant ? Ça vous fait perdre des délais pour acheter, problème sur les réactifs, sur les consommables. Qu'est-ce qui a été le... Voilà, il y a un faisceau de facteurs qui ont retardé. Mais pourquoi on a ce retard, 20 fois moins de tests début mars qu'en Allemagne ? Pour moi, ça n'est pas le problème du. C'est pas le problème du. Vous avez dit deux raisons, excusez-moi. Oui, pour hiérarchiser, quelles sont les raisons ? Oui. Oui, pour moi, c'est le retard. C'est pas le retard du remboursement, parce qu'on peut le faire hors nomenclature. Bon. Pour moi, le retard, c'est le retard des autorités pour dire quels sont les tests qu'on pouvait utiliser. On a attendu très longtemps pour savoir quels étaient ceux qui étaient validés. Voilà. Pour moi, c'est ça le retard. Et ce n'est pas le prix. Parce que le prix, ils payent hors nomenclature, ils le payent de leur poche. Hein. Alors, c'est François qui va vous le dire, parce que moi, je n'ai pas les dates. Désolé, je suis responsable de l'intendance. Coupez le micro, s'il vous plaît. Voilà. Formidable. Merci. Vous ne pouvez pas vous baser sur les têtes de l'Institut Pasteur, ma collègue qui travaille aussi dans ce secteur-là. Les tests de l'Institut Pasteur, c'est propre à cette maison. Nous achetons des tests commerciaux. Nous n'avons pas les enzymes pour faire récupérer l'ARN, faire des duplications et faire comme a fait Didier Raoul, pour l'IFE. Donc nous sommes à baser sur des tests commerciaux. Ils sont vendus par des firmes dans lesquelles nous avons. Et quand vous l'avez très bien dit, M. Ciotti, que finalement, il faut attendre cet arrêté pour savoir de quelle manière on pouvait, quels réactifs on pouvait acheter. Et donc, je vous rappelle, simplement même dans la liste des réactifs autorisés le 13 mars, il y a 3 et 3, 6 réactifs uniquement. Et donc, des réactifs qui sont vendus par des distributeurs. Et la fin du temps, quasiment fin mars, pour qu'on étende à plus de 34 réactifs différents. Donc vous êtes sur un marché tendu, avec 6 réactifs autorisés. Si vous n'utilisez pas ceux de cette liste, vous n'êtes pas remboursé. Il faut attendre dans le même temps la publication du remboursement le 8 mars. Donc entre le moment où vous avez dit qu'il y avait cette annonce, que l'Institut Pasteur disait que voilà, il avait fait... Mais le fait que nous, dans le privé, nous soyons sur des tests commerciaux que nous achetions à des entreprises, des importateurs, etc. Et en plus, ce n'est pas les importateurs courants qu'on avait au départ, c'est des importateurs qui venaient des pays essentiellement asiatiques. Et nous n'avions pas forcément les grandes firmes que vous connaissez aujourd'hui qui ont développé des tests beaucoup plus tard. Donc nous étions sur un marché chinois essentiellement, nous avions beaucoup de choses à faire. Et donc ça limite et ça explique forcément
techniquement la limitation que nous avions au départ. Pardon. Pour qu'on comprenne bien, parce que je crois que c'est un point essentiel que se posent tous nos concitoyens, qui décide de la liste de ces réactifs ? Quelle est l'autorité tutelle ? C'est la Haute Autorité de Santé ? C'est la DGS ? C'est la DGS. Donc les retards... Notre commission de hiérarchisation des IRAC fonctionne sur un avis de la Haute Autorité de Santé. Comme nous dit effectivement, il y a la DGS derrière qui évidemment valide la liste des tests. Et après, il y a aussi comme adjonction les centres nationaux de référence que sont le CNR des maladies respiratoires qui valide aussi un certain nombre de choses. Essentiellement la DGS. Oui, alors c'est juste pour ajouter des petits... En fait, la HAS, hein, le rôle de la HAS, c'est de... Au départ, ils ont fait un cahier des charges de comment doit être un réactif pour être validé. Donc ça, c'est la HAS, c'est son job. Et ensuite, le CNR teste des réactifs et donne la liste à la DGS, et c'est la DGS qui publie la liste en accord avec les différentes parties, CNR, HAS, etc. Juste, j'aimerais rajouter quelque chose. Quand on revient aux premières étapes, vous dites que l'Allemagne a pratiqué beaucoup plus de tests. Mais je rappelle que les labos privés, au début, n'étaient pas du tout associés au diagnostic. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, j'aimerais insister sur ça. En plus, comme l'a dit mes confrères, on a eu des tensions en réactif. Et il faut dire aussi que ce n'est pas tous les laboratoires qui étaient équipés en extracteurs et en machines de PCR qui permettaient de faire du très gros débit. Enfin, par exemple, la technique du CNR, c'est une technique, ce qu'on appelle une technique maison, c'est-à-dire que c'est une technique qui est vraiment très fiable, ça, il n'y a pas de problème, mais qui n'est pas du tout adaptée au gros volume. Donc pour le CNR, c'est très bien. Mais pour faire du diagnostic de masse, ce n'est pas du tout adapté. Et nous avons été, comme l'a dit mes confrères, confrontés à de grandes pénuries de réactifs dans les premières phases. Et enfin, je terminerai par le fait que le Haut Comité de Santé publique avait établi une priorisation des tests. Et nous, en tant que professionnels du diagnostic, nous devions de respecter cette priorisation. Et donc, nous étions obligés vraiment... de faire prioritairement les tests aux personnes pour qui c'était vraiment indiqué. Donc, on a eu, en effet, tous ces problèmes au départ. Pour compléter ce qu'a dit le docteur Aïmbokobza, effectivement, au début, il y avait une interdiction de pratiquer les tests PCR pour certains laboratoires privés. Il y a même eu une saisine de l'avocat de jeunes médecins pour permettre à des laboratoires privés de participer à l'effort. Pour que vous compreniez aussi, l'équipement varie beaucoup d'un laboratoire à un autre, de sa taille, en fonction de son volume, du nombre de patients qu'il traite. Certains laboratoires ont des automates qui sont extrêmement fermés, c'est-à-dire qu'ils font des petites cadences et qui ont des réactifs qui sont très peu adaptables, c'est-à-dire qu'il faut attendre que le fournisseur sorte sa trousse pour pouvoir se lancer dans l'analyse. Il y a d'autres automates qui généralement sont plus gros, plus vétustes, qui ont des capacités d'adapter des trousses d'autres réactifs. Donc malheureusement, on a eu aussi ces problèmes d'approvisionnement en réactifs, de validation de CNR, de ces tests, et ça a provoqué ce gros retard à l'allumage. Je voudrais rajouter par rapport au retard. Jusqu'au 8 mars, les laboratoires de ville ne pouvaient pas faire de tests. C'était uniquement réservé à l'hôpital. Nous n'avions pas encore la possibilité d'en faire. Donc, sachant que c'est à partir du 8 mars, comme je vous ai dit, avant de lancer ce type d'analyse avec ce type de machine, il faut minimum 8 à 15 jours pour valider nos techniques.
puisque même si le COFRAC dit qu'on fait n'importe quoi, je peux vous dire que dans la réalité, on fait nos validations. Et on ne peut pas lancer des machines et des tests de ce type du jour au lendemain. Donc ce qui fait qu'on a encore eu du retard à l'allumage. Donc on a eu le feu vert le 8 mars pour pouvoir commencer en ville à les faire, et pratiquement 15 jours de plus pour pouvoir commencer à rendre les premiers résultats. Donc on a perdu 3 semaines, ou pratiquement un mois par rapport à février où on a eu les premiers cas. Vous estimez qu'on a perdu un mois? Et du fait, si vous avez un diagnostic en trois mots, c'est un blocage administratif. Qu'est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce qu'il faut simplifier dans la chaîne de décision? Qu'est-ce qu'il faut fluidifier? Est-ce qu'il y a trop d'acteurs? Quelle a été la relation aussi avec le secteur public? Est-ce que c'était trop centralisé? Enfin, vous l'avez dit dans vos propos liminaires, mais... Pardon. Pour compléter, j'ai oublié une agence, la NSM, parce que si on ne met pas la NSM dedans, on n'a pas le marquage CE. Et je vous rappelle quand même qu'un certain nombre de laboratoires français, que ce soit, on peut citer Biomérieux, d'autres, etc., ont besoin aussi des marquages CE. Et ça, il faut un certain temps aussi avant de l'obtenir. Donc, c'est un acteur que je peux permettre d'oublier, parce que comme on va me regarder, il faut quand même que je pense à tout le monde. En ce qui concerne la décision, ben, je pense que vous l'avez rappelé, la question, c'est quand il y a une gestion de crise comme ça, en général, les gens se réunissent entre eux et disent on prend une décision et on la met en application. Là, on a vu qu'il fallait finalement avoir un jeu de construction dans lequel il fallait les autorisations d'un tel, un tel, un tel, un tel, etc. Quand, en plus, les administrations veulent bien travailler ensemble, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Donc, c'est vrai que moi, ce qu'on aurait aimé, en tout cas en gestion de crise, c'est d'avoir un interlocuteur qui parle pour tout le monde et qui dise voilà, ça va fonctionner comme ça, on va tous y mettre. Ça a été le cas de Santé publique France quand on a construit avec la DNS le CIDEP. Quand Laura Letourneau ou Raphaël Beaufray se sont adressés à nous, ils ont dit on va construire un truc que normalement on fait en 3 ans. Et là, en moins d'un mois, on est capable de mettre tout le monde d'envoyer toutes les données sur un serveur. Et donc ça a été intéressant parce que c'est une décision dans laquelle tous les acteurs se sont mis dès le départ. Là, ce que je pense, c'est qu'on a un empilement de décisions qu'on attend et des délais. Quand vous rajoutez une agence qui donne son délai dans 15 jours, l'autre qui donne une semaine, eh bien, vous êtes dans un flou artistique à un moment donné qui ne permet pas d'avoir une efficience sur le terrain. Pour ce qui concerne le privé, il faut vous dire quand même qu'on accueille 500 000 Français par jour. Donc l'ambulatoire, c'est nous. Alors l'hôpital peut... On a été des élèves de l'hôpital, nous sortons avec des professeurs de l'hôpital, mais l'ambulatoire, c'est nous. On est capable de faire. On est capable d'organiser des soins et de faire ces soins-là. Mais il faut encore que les choses soient clairement dites, clairement écrites, et qu'on puisse agir de façon efficiente dans un temps assez relativement bref. C'est ce qui nous attend demain aussi, de la même manière, avec les agences qui doivent se coordonner, nos relations avec l'ARS, nos relations avec l'hôpital, les relations avec tous les gens qui seront sur le terrain, c'est seulement comme ça qu'on va y arriver. Mais il faut qu'il y ait une vraie coordination. Il ne faut pas qu'on attende une décision et puis après qu'on nous dise comment vous allez faire, ben on attend encore. Aujourd'hui, par exemple, les techniciens ont droit de prélever. Il y a eu un journal officiel le 10 juillet. La tarification des techniciens, on ne l'a toujours pas. Donc on est le 22. Et donc on attend toujours la tarification. Vous demandez ce qu'on peut faire Il faut voir pourquoi ça s'est passé. Et retard dans l'implication des laboratoires privés. Alors aujourd'hui, on voit bien qu'on fait 4, 5, 6 fois plus de tests que les hospitaliers. Donc retard dans l'implication. Et puis aussi retard dans la décision. Il faut savoir que l'Allemagne a commencé en janvier. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne proche de la chancelière qui a estimé qu'il fallait tester et que... Il y a une industrie du réactif en Allemagne. Ils ont privilégié les Allemands. Donc, ils ont vendu tous leurs tests aux Allemands. Et c'est pour ça qu'ils ont commencé plus vite que nous. Donc, le problème, c'est ce qu'on peut faire demain, c'est un problème d'être plus rapide, plus réactif et savoir que... il y a eu des erreurs qui ont été faites. Voilà. Il faut rectifier les erreurs. C'est aussi simple que ça. Hein. J'aimerais aussi aborder un autre point de vue, enfin un autre aspect qui est l'aspect financier.
Ces dernières années, l'enveloppe allouée à la biologie médicale a drastiquement diminué. C'est-à-dire pour toutes les autres spécialités, l'ONDAM est à 2,3%. Pour l'enveloppe allouée à la biologie médicale est de seulement 0,2%, donc vraiment nettement moins. Et comme vous le savez, plus un système est rentable, moins il est résilient. Je pense que ce qui s'est passé, c'est que nous étions à l'os. Quand je dis on est à l'os, c'est-à-dire qu'on n'a plus moyen, on a subi l'accréditation, on a subi beaucoup de choses. On a essayé de continuer de fonctionner avec des moyens qui diminuaient à qualité constante. Et cela nous a forcé à être très rentable. C'est-à-dire, par exemple, passer des contrats de réactifs avec des automates, comme je vous disais, extrêmement fermés, où on ne peut pas adapter d'autres réactifs. Donc moi, je vois un point qui est important aussi, c'est le fait que, malheureusement, on a forcé la biologie à être extrêmement, extrêmement compétitive, et cela entraîne un défaut d'adaptabilité. Une chose. Premièrement, le problème, c'est un problème industriel. La France ne produit plus rien. Donc, on s'est rendu compte, rétroactivement, mais pas seulement pour la biologie, évidemment, pour beaucoup de choses, que finalement, on était dépendant de la Chine. Tout le monde le sait, j'invente rien. Donc, aujourd'hui, si on veut améliorer, il faut absolument retrouver une industrie du réactif, parce qu'on sera, on sera en première ligne, comme les Allemands l'ont fait. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça me reviendra, parce que ça m'a échappé. Ça me reviendra. Et de façon très brève, un peu provocatrice, là, j'écoutais hier le professeur Delfraissy, président du comité scientifique, qui disait qu'il avait appelé un laboratoire, ou plusieurs laboratoires parisiens, de façon anonyme, en masquant son identité, qu'il avait eu un rendez-vous uniquement à 6 jours. Donc, pourquoi aujourd'hui il y a ces délais au cœur de l'été, alors qu'il y a cet objectif national de 700 000 tests? J'ai dit il y a 2 mois que le problème, ce n'était pas les 700 000 tests, puisqu'à un moment donné, vous l'avez vu dans les radios et les télévisions, on s'est exprimé en disant qu'on avait même d'ailleurs surstocké, qu'on avait trop de stock, qu'on ne savait plus quoi en faire, qu'il allait être périmé, qu'est-ce qu'on allait en faire. Et en fait, les 700 000 tests, c'est quand vous concentrez dans une zone géographique, à un moment, dans un temps déterminé, et énormément de patients. Je vous ai dit, il y a un temps incompressible. Quand vous prenez un patient, 5 minutes, le temps de prélèvement, nettoyer la salle, enregistrer, tout ça, voire plus, vous faites quoi? 12 patients à l'heure? Comment vous faites? Quand vous avez 3 salles de prélèvement, 36 patients à l'heure? Bon, d'accord. Vous ouvrez 24-24, ce qui n'est pas le cas des hôpitaux. Et dans ce cas-là, il faut multiplier à un moment donné les centres de prélèvement. Ce qui s'est passé dans Paris, c'est emblématique de ce que la Grande Couronne a été décidé dans les 32 communes de tester 1,3 million personnes. Et d'un seul coup, Paris, avec tous les journalistes l'ont fait, il n'y a pas que Delfraissy qui l'a fait. Tous les journalistes l'ont fait. Tous les journalistes sont allés dans les labos, ont essayé d'avoir un rendez-vous, ont essayé d'avoir... Mais il y a quand même des structures qui sont organisées, qui arrivent à prendre les gens sans rendez-vous, qui arrivent à... Il faut ouvrir, effectivement, mais comme l'a dit nos collègues, il faut un coup de main. Je veux dire, il y a un moment donné, on n'a que 40 000 personnes dans notre branche. L'hôpital où je suis dans mon département a embauché 35 personnes. Moi, je ne peux pas me permettre d'embaucher 35 personnes. J'ai déjà 385 salariés. Si demain j'en embauche 35, je fais comment? Est-ce que je les garde? Je les prends en CDD? Je les vire dans 2 mois parce que c'est fini? Donc il y a un moment donné, si vous voulez, il faut arriver à structurer économiquement ce qu'on demande et puis à avoir des moyens. Et peut-être que des gens peuvent nous aider administrativement ou en tout cas ce qui est fait pour les prélèvements. Donc je pense que ça peut répondre. Mais une vague qui arrive, vous savez, faut la traiter. Et c'est pas si simple. Je pense qu'il y a des structures qui y arrivent, des structures organisées qui ont continué à garder du personnel, qui ont pu étendre leurs heures d'ouverture. Je sais que le ministre nous a dit qu'il y avait effectivement des laboratoires sur lesquels les plages d'ouverture étaient d'une heure pour faire de la PCR. C'est pas suffisant. Donc il faut voir en fonction. Mais est-ce qu'on va pas chercher, comme le dit mes collègues, sur les 1,3 million de personnes, moi ce qui m'intéresserait, c'est demain combien il y a de positifs. Qu'est-ce qu'on a découvert? Est-ce que le cluster qui va naître à l'occasion d'un mariage n'est pas plus intéressant que de dépister 100 000 personnes dans lesquelles on va avoir 1 ou 2% de positifs seulement? C'est important de les repérer. Mais est-ce que les clusters qui vont revenir des zones de tourisme ou etc. ou d'importation qu'on a actuellement, parce qu'il y a des cas d'importation, hein, on va avoir la même chose avec les saisonniers, hein, faut pas rêver. Nous, on a des vignes en Touraine, il y aura des saisonniers qui viendront. Est-ce qu'on les contrôle avant? Qu'est-ce qu'on fait? C'est un peu cette notion-là, parce que sinon, dans ce cas-là, je vous dis, vous dépistez la France toutes les semaines, 65 millions d'habitants, on va se faire ça toutes les semaines.
Donc il faut trouver à un moment donné un juste équilibre entre les moyens qu'on met, l'objectif qu'on veut avoir, et puis d'autre part, comment on peut y arriver de façon séquencée et en prenant tout le monde. Je sais qu'aujourd'hui, sur Paris, c'est un problème pour certains, pour certaines structures, de prendre suffisamment de gens. Ils n'y arrivent pas. Je vais compléter ce que dit François. On nous a fait ces réflexions. Le ministre nous a fait la semaine dernière les réflexions que vous faites. Pourquoi 6 jours? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? On a pris tout en note et on est en train de nous-mêmes de faire de voir un peu pourquoi ça s'est passé d'une façon anormale. On essaie de rectifier, mais ça ne peut pas se faire en un jour. Première chose. Deuxième chose, je voulais compléter tout à l'heure pour être objectif, c'est que au début, c'est vrai que le gouvernement ne nous a pas sollicité. Mais depuis, je pense qu'ils ont compris que ça passait par le privé, parce que maintenant, ils s'adressent qu'à nous pour la suite. Merci beaucoup. Je vais passer... Excusez-moi, allez-y, rapidement. Voilà, j'allais juste dire, effectivement, comme pour prolonger François, qu'effectivement, nous sommes des professionnels de santé, mais nous dirigeons aussi des PME. Et à ce titre, c'est très difficile de... Voilà, l'adaptation pour s'équiper, pour augmenter notre RH. Après, on le voit à la fin de l'année sur le bilan. Et donc, on n'a pas des capacités extensibles. Donc, aujourd'hui, multiplier nos salariés pour pouvoir prélever à hauteur de ce qui nous est demandé, c'est très, très difficile, d'autant plus qu'on est en période de vacances. Je voulais aussi ajouter un point sur ce que disait Claude Cohen, docteur Claude Cohen, c'est qu'effectivement, en France, on n'a qu'un seul industriel qui produit une PCR en France. C'est Biomérieux. Voilà. Toutes les autres PCR sont produites à l'étranger. Donc, on doit les faire venir avec des querelles entre plusieurs commandes, entre plusieurs pays. Et comme vous le savez, pour ces industriels, le marché français n'est pas si intéressant parce qu'il fait partie des prix remboursés les plus faibles. Merci. Merci. Je passe la parole à M. Gauthier pour Les Républicains. Merci, Président. Oui, c'est plus facile. Je ne sais pas de quel côté de la table je devrais être aujourd'hui. En tout cas, cette histoire des tests me tient à cœur. Je crois que c'est l'histoire d'une multitude de polémiques, et de la polémique sont nés les retards. Première polémique sur l'utilité des tests. Entre parenthèses, tout à fait parallèle à la polémique sur l'utilité des masques. La saga du masque, on l'a bien connue, on a eu la saga du test. Première polémique, on nous expliquait, encore début mars, que les tests PCR étaient inutiles chez les gens asymptomatiques, et ils étaient même inutiles chez les gens avec de faibles symptômes, une petite toux, une petite fièvre, c'est pas la peine. Tant que la personne n'était pas hospitalisée en réa, c'était pas la peine de tester. Première polémique. Deuxième polémique sur les sérologies. Moi, on m'a expliqué que ça ne servait à rien. J'avais pourtant été sollicité pour dépister dans des EHPAD. Non, ça ne sert à rien. Et puis maximum, de toute façon, c'est 2 tests dans les EHPAD. Résultat, sur une région, les Vosges et le Grand Est, qui a été traumatisée, notamment dans les EHPAD, 61% des EHPAD ont été contaminés. La moitié des morts, comme au niveau national, sont issus des EHPAD. On a vu le résultat. Ensuite, il y a eu la polémique sur le remboursement qui a été évoquée avec une véritable usine à gaz. Passons. Donc, retard dans les EHPAD, retard sur la stratégie de dépistage massif. Si on reprend l'historique, donc la pandémie qui arrive fin décembre 2019, ensuite, le génome est séquencé par les Chinois le 7 janvier. Premier mort en France, 15 février, c'est un Chinois. Premier mort français, le 25 février. Le 16 mars, l'OMS, recommandation internationale qui s'adresse aussi à la France, tester tout le monde. Le 17 mars, on commence à confiner. Donc, entre parenthèses, jusqu'au 17 mars, rien ne s'est passé chez nous. Et finalement, on voit bien ces retards. J'ai eu hier, sur le département des Vosges, 21 juillet, le premier dépistage massif. 7 mois après l'alerte lancée du début de la pandémie, voilà, premier dépistage massif sur les Vosges, 21 juillet. Je n'en dirai pas plus. Et même chose, alors, autre cause de retard, la question de la certification des réactifs, on a bien vu les causes, l'autorisation pour les laboratoires privés qui ont été délaissés, là aussi on pourrait faire le parallèle avec l'hospitalisation privée, mais la polémique sur la certification, où on a une fusée à 3 étages, l'ANSM pour le marquage CE, le deuxième étage, le CNR, je termine là-dessus, et le troisième étage, la DGS, parce que j'ai des exemples de tests qui sont validés par le CNR,
qui sont utilisés depuis début février en Allemagne, qui ont été utilisés en Italie et en Chine, et qui sont toujours coincés en France. Merci. Donc je suppose que ça vous pénalise toujours. Merci beaucoup. Monsieur Habib. Si, monsieur le Président. D'abord, première chose, il vous a été posé une question tout à l'heure par le Président Borovnik, qui vous a demandé si vous étiez au courant de la doctrine de 2013. J'ai presque envie de vous poser la question, juste pour que notre information collective. La nouvelle majorité arrivée au pouvoir en 2017 vous a-t-elle informé de ce changement de doctrine ? Puisqu'il me semble que le directeur général de la Santé était un spécialiste des pandémies et qu'il avait abondamment écrit sur cette question. Donc je voudrais savoir si il y a eu en 2017 une réplique épistolaire ou en tout cas en termes d'information auprès de la profession. Deuxièmement, vous avez évoqué tout à l'heure l'initiative prise dans la région parisienne. 1,4 million de personnes susceptibles d'être testées, 32 communes. Je crois savoir par des proches qui exercent votre profession qu'ils ont été informés le vendredi pour le mardi. Est-ce que c'est pas un des éléments lorsqu'on les interroge, ils vous disent le problème c'est pas l'information là, c'est le problème c'est la concertation. Rien n'est décidé en bilatéral et en partenariat, en collaboration, tout est affaire d'oucase d'une administration centralisée au possible. Troisième chose, moi je suis élu d'un territoire qui est frontalier de l'Espagne. La stratégie est totalement différente en Espagne en matière de tests. Est-ce qu'il n'est pas envisageable d'avoir, surtout si on se transporte dans une deuxième vague, une stratégie européenne ? Est-ce qu'il n'est pas possible d'envisager à la fois pour la détermination de la nature des tests susceptibles, mais en même temps pour les stratégies de campagne à mettre en place, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager, au moins pour les départements frontaliers, où il y a des allers et retours en permanence, ce qui est mon cas, je serai demain soir à Saint-Sébastien, entre les deux départements. Enfin, et je vais finir là, Monsieur le Président, des grands groupes industriels français sont installés sur nos territoires respectifs. Moi, j'ai la chance d'avoir Total chez moi. Je crois savoir qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de vigilances qui sont mises en place dans ces groupes et qu'ils sont en train de traiter avec votre profession pour qu'il y ait des campagnes, bien sûr sur la base du volontariat, au bénéfice de leurs salariés. Est-ce que vous pourriez nous faire le point sur les relations que vous avez avec les grandes entreprises qui, quelque part, suppléent les défaillances gouvernementales et de l'État ? Merci beaucoup. Madame Occoni. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Madame, Messieurs. Trois sujets. Premier sujet, j'entends que l'organisation territoriale de la santé n'est pas satisfaisante et qu'elle a été même plutôt perturbante, au moins au départ de la crise, et qu'il y a matière à améliorer vos relations avec l'ensemble de ces agences qui sont vos partenaires. Il y a effectivement les agences régionales de santé, mais au-delà de ça, les agences spécialisées dans vos secteurs et dans vos domaines d'activité. Donc, quelles seraient les mesures que nous devrions prendre aujourd'hui en tant que législateur pour améliorer vos conditions de partenariat avec toutes ces agences, tant dans votre quotidien que en cas de crise épidémique comme celle que nous avons traversée? Ça, c'est mon premier sujet. Le second sujet, c'est j'ai cru mesurer une certaine forme de polémique au moment où les laboratoires départementaux, donc les laboratoires des conseils départementaux, avaient proposé leur service au gouvernement qui, dans un premier temps, l'a refusé, puis l'a accepté. Est-ce que c'est quelque chose qui peut apporter une valeur ajoutée à votre quotidien, qui peut régler le problème de l'analyse et des différents stades de vos travaux? Et enfin, je voudrais vous lire trois témoignages sur l'ouverture des frontières de la France avec un certain nombre de pays. Que doit-on faire dans les aéroports pour être à la fois efficace, mais aussi pour que, par rapport à votre quotidien, ce ne soit pas asphyxiant? Je vous donne trois témoignages.
En France, c'est l'ouverture totale. Je ne comprends pas pourquoi il y a des gens qui atterrissent sur le territoire national et qui s'éparpillent et qu'on perd de vue. Dans tous les pays sérieux, quand vous arrivez d'un pays épidémique, on vous teste et on vous demande où vous allez, on vous trace. Par ailleurs, le professeur Éric Combe, spécialiste des pathologies infectieuses et tropicales de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, qui lâche ce constat, dans mon service, la moitié des patients reviennent de l'étranger, l'autre moitié sont des cas de transmission autochtones. Enfin, et j'en termine, Monsieur le Président, dans un vol au mois de juillet, Alger-Paris, environ un tiers des passagers étaient atteints du Covid-19, confie une source aérienne. Certains étaient très malades. Tout ça, ils étaient venus se faire soigner en France. La plupart étaient de nationalité française, insiste une source pour couper court à toute polémique. Mais arrivés à l'aéroport, assez peu de contrôles, assez peu de tests, assez peu d'isolement. Que doit-on faire dans les aéroports pour éviter ce risque épidémique majeur ? Merci. Merci beaucoup, Madame Mauborgne. Merci, Monsieur le Président. Moi, je suis libérale, infirmière depuis de nombreuses années maintenant. Je suis assez surprise de votre discours sur les PME, parce que moi, j'ai plutôt l'impression qu'on a affaire à des ETI, parce que j'ai vu une évolution majeure dans les laboratoires. Moi, j'ai connu les laboratoires familiaux, avec des toutes petites entreprises de 3, 4, 5 salariés qui ont totalement disparu aujourd'hui, qui ont été entièrement phagocytés par des énormes maisons qui sont plutôt de l'ordre de 250 à 1000 salariés que moins, voire 250 biologistes. Hein, je ne parle pas des personnels de prélèvement. Donc du coup, se pose la question quand même des moyens, parce que à mon sens, s'il y a au moins une vertu à cela, c'est justement la capacité de faire face, à des nouveaux investissements, de faire face même éventuellement à prendre des parts dans des entreprises qui fabriquent des réactifs et des machines. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas entrepreneur de laboratoire, mais en tout cas, ça me surprend de vous entendre être très limité dans les moyens quand on monte des espèces de monstres de cette sorte. Ça, c'était ma première remarque. La deuxième remarque, c'est est-ce que vous avez le sentiment d'avoir pesé sur la non-ouverture, effectivement, comme disait Madame Oconi, des laboratoires départementaux, mais je pourrais aussi parler des laboratoires vétérinaires, où en Allemagne, ils ont été directement ouverts, en France, pas du tout. Comment est-ce que ça se fait que cette décision, finalement, ait été reculée ? Est-ce que le privé n'a pas pris une petite part dans cette décision tardive ? Et puis, en quoi votre profession s'honore à dénoncer parfois des mauvaises pratiques ? Parce que moi, je suis députée de Saint-Tropez. Et qu'il y a eu quand même quelques ghettos de riches où on a pratiqué des tests privés, sans AMM, sans autorisation, sans remboursement, bien sûr, puisqu'on n'en a pas besoin, pour le nautisme de luxe, pour les villas, etc. Et que j'aimerais entendre votre point de vue sur cette question. Merci. Après cette première salle de questions, je vais pouvoir vous laissez répondre. Je voulais juste rassurer M. Habib, avant que vous ne repartiez dans vos terres et en Espagne, que s'agissant de la doctrine de 2013, nous auditionnerons les personnes en place à cette époque, en 2013, pour élargir, parce que je suis heureux de voir que nous partageons la même préoccupation. Alors, je vais essayer de balayer les questions rapidement. Pour ce qui concerne la doctrine de 2013, je l'ai déjà répondu à M. le Président, mais je pense que vous avez raison de le souligner, 2017, c'est pareil. C'est une question d'information. Je sais bien qu'on doit mourir sans être au courant de tout, mais là, effectivement, c'est un problème d'information. Le mot concertation, monsieur, nous le partageons. Effectivement, pour nous, l'essentiel de l'efficience, c'est la concertation. Ce n'est pas juste s'entendre. Pourquoi ça fonctionne bien avec certaines ARS ? Parce qu'il y a des communications téléphoniques toutes les semaines entre le CHU, l'ARS, les CEPAM et les biologistes, privés, publics. Et ça fonctionne. Ce n'est pas, une loi générale. Il y a une sacro-sainte dogme en France, c'est l'autonomie de l'ARS. Bon, OK. Sauf que quand une profession de 4000 laboratoires est sur un territoire national, si chaque ARS fait ce qu'il veut, à la frontière de Sainte-Maure-de-Touraine, chez moi, Sophie connaît très bien, frontière de Sainte-Maure, vous tombez sur la Nouvelle-Aquitaine. Et après, vous faites comment quand c'est deux décisions différentes ? Donc, je pense qu'il faut une cohérence pour certaines professions, et j'appelle, effectivement, à ce qu'il y ait... Du temps d'Emmanuel Bargon, il y avait un pilote dans l'avion, très clairement. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a chacun fait ce qu'il veut.
La question, c'est que sur une décision de crise comme la nôtre, c'est sur un territoire national. Donc il faut qu'il y ait une homogénéité quand même de décision et de relations qui soient instaurées. Pour les tests en Espagne, j'aimerais vous rappeler quand même que le lot de 640 000 tests non évalués, non fiables, commandés par l'Espagne, a été retourné avec une sensibilité de 30%. Donc ils sont quand même majoritairement plantés dans leur achat pour répondre à cela de façon très claire. Après, on peut toujours regarder ce qu'ont fait nos voisins. La France, n'est pas le centre du monde. Il y a des choses qui sont faites très bien chez nos collègues danois, suédois. Ils ont aussi des échecs aussi maintenant, on le voit. L'Allemagne en a beaucoup testé, vous le savez maintenant, qu'il y a de nouveaux cas, il y a de nouveaux clusters qui reviennent. Donc il faut apprendre tous, et je suis d'accord avec vous, même si la santé, ce n'est pas une communication européenne, pour être élu et président de la Commission européenne de l'UNAPL, je suis d'accord avec vous, il faut une cohérence au niveau de la santé européenne, il faut qu'en cas de crise, on puisse tous se mobiliser. Ça, je suis parfaitement d'accord. En ce qui concerne les campagnes pour les salariés, il n'y a pas eu que ça, il y a la BNP qui l'a fait, il y a d'autres groupes qui l'ont fait, on ne va pas citer toutes les marques, mais en gros, il y a pas mal de groupes qui se sont fait là-dedans et qui sont lancés dans le dépistage de leurs salariés. Alors après, c'est une responsabilité d'entreprise. Nous, notre objectif et la commande du ministre, c'était de prioriser les Français et la santé des Français, pas de prioriser les groupes. Mais à un moment donné, c'est vrai que quand on a eu trop de tests, que la demande s'effondrait, on a dit, est-ce que vous pouvez faire à telle entreprise et telle entreprise? Donc il y a des groupes qui ont fait à telle autre entreprise. Donc il n'y a pas de problème. Les agences, pour répondre à Madame la députée, les agences, il faut qu'on ait des relations. Et si on peut simplifier la manière dont on travaille, soit avec les ARS, soit avec les agences spécialisées, c'est ce qu'on a réussi à faire dans un certain nombre de groupes de travail. Et l'exemple de la délégation interministérielle du numérique en santé a eu cette qualité de rassembler tout le monde et de pouvoir avancer sur un projet de façon concertée. Ça, c'est clair. Pour les conseils départementaux, j'ai été un des premiers à signer dans l'Indre-et-Loire avec le département, les départements vétérinaires. La question qui se pose dans le département vétérinaire, c'est simplement que vous transmettez la phase analytique, puisque la phase pré-analytique de prélèvement et la signature du résultat, c'est le biologiste qui en est responsable. Ça, c'est la loi qui l'a dit, c'est pas moi. Donc à partir de ce moment-là, la question qui s'est posée dans l'Indre-et-Loire, c'est la liaison informatique entre notre laboratoire et le laboratoire département vétérinaire. Mais on a travaillé, on a signé une convention dès le lundi matin quand c'était possible. C'est vrai qu'elle a été non utilisée et qu'elle pourrait être utilisée lors des tests massifs, mais les biologistes n'ont pas agi du tout contre les laboratoires. C'est pour répondre à Madame la députée derrière qui a souligné ce problème. En ce qui concerne les aéroports, c'est très clair, je pense qu'il faut contrôler. Aujourd'hui, on est à 2000 tests jour, il faudrait en faire 20 000, 30 000. Aujourd'hui, il y a des laboratoires qui sont installés à Orly, qui sont installés à Charles de Gaulle, et on essaye, sur toute la France, de contrôler les entrants. C'est évident qu'il faut arriver à contrôler les gens. Sinon, on n'y arrivera jamais. Dans ce cas-là, il y aura des mailles qui passeront dans le filet, on pourra toujours avoir des choses qui sont effectivement comme ça. Moi, je ne parlerai pas de Saint-Tropez ni de Paris Match, mais globalement, c'est quand même un monde dans le monde. Moi, je n'appartiens pas à ce monde-là. Donc, s'il y a des privilégiés qui ont ce type d'avantages, en tout cas, ce n'est pas la majorité des Français. En ce qui concerne les ETI, madame, ça fait 20 ans que je me bats contre la concentration. Et clairement, aujourd'hui, il y a des concentrations. Il y a 7 groupes majeurs en France qui représenteront 70% de la biologie française. La question, c'est qu'on a quand même eu, à un moment donné, un certain nombre de gens qui ont décidé qu'on allait vers une biologie industrielle sans le dire. Bon, la question maintenant, c'est qu'on en est là. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se martyrise? Non, je ne crois pas. Je crois qu'aujourd'hui, si on avait eu des groupes, et je ne pense pas qu'aujourd'hui, les plateformes qu'on a achetées, le matériel qu'on a acheté, puisse être à la portée d'un laboratoire de 3-4 personnes. Donc, malheureusement, on a tous fait ça. Moi, dans l'Indre-et-Loire, le premier, on s'est associés, on a travaillé ensemble. On a un laboratoire de 28 sites, on fait 35 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est quelque chose qui est né comme ça. Et le fait d'avoir cette disponibilité-là, je vous citais mon nom de salarié parce que je vais parler juste de mon exemple et pour ne pas parler de concurrence, surtout avec quelqu'un d'autre. Donc, c'est très important de voir qu'on a pu investir. Et je peux vous dire que demain, j'ai la Cour des comptes, pendant 2h30 dans le syndicat, qui vient nous examiner sur la biologie. Et nous avons sorti nos chiffres en toute transparence de l'investissement que ça a coûté et que cet investissement en test ne sera rentabilisé que certainement au mois de novembre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille à perte. Alors, on a la trésorerie pour le faire, on a pu le faire. Eh bien, on le fait, mais ce n'est pas pour avoir un gain financier, en tout cas sur cette analyse. Je rejoins l'analyse de mon confrère Claude Cohen. Aussi.
Concernant ce que vous avez dit, concernant l'Île-de-France, je peux vous dire qu'à l'ARS d'Île-de-France, il y a une communication, il y a des réunions permanentes avec 150 personnes qui sont autour de la table et qui discutent. Donc je pense que l'ARS d'Île-de-France, il y a eu une discussion concernant la possibilité ou non. Pardon ? Bon, ce que je voulais vous dire aussi pour les entreprises, en deux mots, au début, on nous a demandé de faire des tests PCR et sérologie, et le ministre, dans un premier temps, a dit qu'il fallait privilégier les patients tout d'abord. Pour les ARS, je vais vous dire que c'est vrai que les ARS sont indépendantes et complètement différentes. Il faudrait qu'il y ait une harmonisation, ça c'est clair. C'est même pas la peine de... Je veux dire, c'est une évidence. Bon, donc, deuxième chose, je voudrais dire que pour les vétérinaires, je voudrais dire qu'il y a aussi quelque chose qu'on n'avait pas abordé, c'est qu'ils n'ont pas d'accréditation. Donc, il y a un problème. Et donc, ils ne pouvaient faire que la partie technique, ils ne pouvaient pas faire le prélèvement, ils ne pouvaient pas donner l'abri. Donc, il y avait un problème avec les vétérinaires, qui, d'ailleurs, finalement, ils n'ont pas fait beaucoup. Et enfin, évidemment, moi, je suis... Enfin, sur mon avis, je dirais que c'est invraisemblable qu'à Orly, à Roissy, les gens qui sont dans des pays où, pour aller chez eux, ils font des tests chez nous 72 heures avant, et eux, pour aller chez eux, ils sont obligés de les faire chez nous, et quand ils rentrent chez nous, ben, personne ne leur demande quoi que ce soit. Donc, ils sont potentiellement, je ne vais pas dire quel pays, hein, mais ils sont potentiellement dangereux, et quand ils arrivent ici, on leur dit « Est-ce que vous voulez faire des tests ?» Alors, quelques-uns y vont, notre dizaine n'y va pas. Et donc, moi, je pense que, pas pour l'Europe, parce que l'Europe, mais pour ces pays en dehors de l'Europe qui sont en zone rouge et orange, il faut impérativement, en France, les dépister. C'est une évidence, voilà, évidence. Alors, pour les ETI, effectivement, vous avez raison. Alors, vous avez ici que des syndicats de biologistes, donc qui sont très opposés à cette phase de consolidation, aux trois phases de consolidation qui sont intervenues dans le domaine de dans le milieu de la biologie médicale. C'est vrai que dans les années 2000, comme vous le disiez, il y avait beaucoup de biologistes indépendants. Et aujourd'hui, l'essentiel des laboratoires sont détenus par des fonds étrangers et ce sont des modèles de biologie industrielle dans laquelle, malheureusement, les biologistes n'ont plus beaucoup de mots à dire sur l'équipement, sur la stratégie. En tout cas, il existe encore, peut-être minoritaire, mais des laboratoires PME dont je fais partie. Et je pense que effectivement les grands groupes ont leur mot à dire de par leur puissance industrielle, de par les capitaux qu'ils peuvent lever pour s'équiper rapidement. Et les PME, les petits laboratoires, par leur adaptabilité et aussi, on va dire, leur pénétrance du milieu de la santé, peuvent aussi toucher beaucoup de patients. Donc, pour l'instant, on est arrivé, alors on a beaucoup regretté le fait que les capitaux, enfin que les parts sociales des laboratoires soient passées des professionnels de santé au fonds de pension. Néanmoins, et toutes les personnes à cette table se sont battues contre ça. Néanmoins, aujourd'hui, je pense que les deux modèles peuvent s'associer et être efficients. Et je conclurai en étant d'accord avec aussi Dr Claude Cohen, moi qui suis donc biologiste libéral en Île-de-France. Nos relations se sont passées excellemment bien avec l'ARS Île-de-France, mais comme dit François, toutes les ARS ne marchaient pas au même rythme et n'avaient pas forcément les mêmes stratégies. Merci. Je travaille essentiellement sur deux régions, donc la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. Sur l'Occitanie, ça s'est très très bien passé, parce que nous avons des relations privilégiées et une connaissance de proximité des gens des ARS. Donc ce qui fait que cette relation fait qu'on a travaillé ensemble naturellement. Et en fait, ce qu'il faudrait, je pense, essayer de mettre en place des comités de crise sanitaire permanents, donc avec les gens qui sont impliqués là-dedans. Donc que ce soit les ARS, donc nous c'est par l'intermédiaire des présidents du RPS qui représentent notre profession localement, il peut y avoir un représentant de l'ordre, et donc un représentant des CHU, enfin, etc. Et donc on peut donc mailler sur tout le territoire en concertation
et faire en fonction des besoins. Et on nous dit, en fonction, il y a des zones qui sont plus ou moins tendues que d'autres. Donc on peut arriver en concertation. Et tout ça, ça s'est fait naturellement, je vous dis, que ce soit en Nouvelle-Aquitaine ou en Occitanie, parce qu'on avait déjà un relationnel, parce qu'on connaissait les gens de l'administration. Donc ça a pu se faire. Donc je pense que ça peut se faire partout. Donc c'est... voilà. Pour répondre à vous, madame, bon, c'est vrai qu'on a des entreprises qui ont pris de la taille, etc. Mais je vous signale que même s'il y a moins de 500 entreprises de biologie médicale en France, il y a toujours plus de 4000 sites. Donc on est toujours présent partout sur le territoire. Donc c'est vrai. Et je pense que dans le cadre des investissements pour la RT-PCR, une entreprise de 10 biologistes comme moi, quand j'ai commencé, on n'aurait pas pu le faire. Ça demande des tels investissements en temps et en homme pour rien dans un premier temps que ce n'est pas possible. C'est bien parce qu'on a des grosses structures qu'on a pu prendre en charge. C'est autant de volume, autant d'activités. Les frontières, ben, je vais vous donner un exemple. Moi, je suis dans le Limousin. Donc, on n'a pas du tout été affecté par les problèmes de Covid, ou très peu, si ce n'est une ou deux EHPAD. Sauf que là, on a des nouveaux cas qu'on n'a pas eu depuis plus d'un mois et demi. Et les nouveaux cas, ce sont des gens qui rentrent de pays de zone rouge. Donc, c'est un vrai problème. Et là, il y en a une qui est rentrée donc, d'un pays. Elle est allée à un enterrement et on est à peu près sûr qu'il va y avoir un cluster. Donc, c'est un gros problème. Donc, c'est vrai qu'il faut tester les gens qui rentrent en France, c'est une obligation. Sinon, on ne pourra pas y arriver. Et ça, c'est un gros problème. Ça, voilà. Et bon, mais encore une fois, les centres départementaux, on vous a répondu. Et je pense que il faut insister à nouveau sur les gestes barrières, et que on puisse tester un maximum de personnes, mais plutôt ciblées plutôt que le tout venant. Voilà. On va passer aux questions. Pardon. Ah, voilà. Oui, je voulais juste rajouter que beaucoup d'organes d'interface existent déjà entre les biologistes, les médecins généralistes et les tutelles. On a les URPS, on a les CPTS, et je pense que on pourrait déjà commencer par ces organes existants pour coordonner une réponse plus harmonieuse. Merci beaucoup. Madame Genetet. Merci, Monsieur le Président. Moi, je suis médecin généraliste de formation au départ, et par ailleurs, j'habite à l'étranger, donc j'ai pu voir aussi les observations en Asie, parce que c'est en Asie que j'habite, de comment ça a été géré. Cette commission d'enquête, me semble-t-il, doit pouvoir nous servir à comprendre ce qu'il serait opportun de modifier, d'améliorer pour progresser et avoir une gestion d'une éventuelle crise ultérieure meilleure. Alors, du coup, j'ai 4 petites questions très précise, et si vous pouvez m'y répondre précisément, ça me serait d'un grand secours pour comprendre ce qu'on peut améliorer. La première question, vous avez évoqué, pardonnez-moi, c'est très prosaïque, mais c'est pour ma compréhension, c'est important. Les automates que vous utilisez maintenant, est-ce qu'ils pourraient servir à d'autres tests, ou est-ce que c'est exclusivement réservé à ce test Covid? C'est ma première question. Deuxième question, au tout départ, il semble-t-il y a eu une inadéquation entre les kits diagnostiques, et les appareils d'analyse. Est-ce que c'était évitable, cette inadéquation entre les kits diagnostiques et les appareils d'analyse? Troisième question, j'ai compris que la procédure d'évaluation, vous l'avez évoquée à plusieurs reprises, vous la critiquez pas mal, l'évaluation des tests, des nouveaux tests, je veux dire. Quelles sont précisément les critiques et qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette procédure d'évaluation réponde au moins à vos attentes et ensuite à l'attente des patients? Et enfin, dernière question, puisqu'on a effectivement un afflux de patients possibles en ce moment, j'aimerais savoir comment vous avez prévu de vous organiser entre vous, de vous coordonner entre vous, puisque j'imagine que si un laboratoire est saturé, peut-être que vous pouvez passer la main à un autre pour fluidifier le flux des demandes de tests. Merci. Merci, Madame Perron, pour la République en marche. Donc, la situation actuelle, hein, là, nous sommes après la crise. Comment analysez-vous la forte demande actuelle dans les laboratoires pour se faire dépister? Comment l'absorber afin d'éviter des temps d'attente trop importants? Et jugeriez-vous
utile d'élargir les critères de prescription d'un dépistage au-delà des seuls cas symptomatiques. Par exemple, aux personnes souhaitant rendre visite à une personne à risque. C'est court, mais voilà. Monsieur Desmoulins, pour La République En Marche. Merci, Monsieur le Président. Moi, j'aimerais revenir sur les objectifs, effectivement, que le gouvernement a fixés, auxquels, a priori, vous avez répondu positivement, Monsieur Blanchecotte, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas en termes d'unités, 100 000 par semaine, si je ne dis pas de bêtises. Je suis un tout petit peu étonné, moi, je suis un ancien petit chef d'entreprise, une petite PME, mais du discours que vous avez eu, la plupart d'entre vous, avec l'idée que c'est compliqué d'embaucher. Enfin, excusez-moi, je me permets, on est dans une situation quand même assez inédite. On sent que donc vous pouvez, enfin, vous avez ces tests sont présents. Il est inévitable qu'il va falloir avoir du personnel pour tester. Donc c'est vrai, alors, j'entends qu'il y a une raison économique, vous l'avez dit, que c'est pas rentable. Ça peut être choquant, vous pouvez aussi l'entendre, enfin, on n'est pas là. J'aimerais, enfin, on a l'impression d'être dans une impasse. Vous avez les tests, vous n'avez pas le personnel, vous ne voulez pas, c'est pas vous, hein, personnellement, mais vous ne pouvez pas embaucher, ça prendrait trop de risques. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous rassurer, enfin rassurer les Français, parce qu'on a quand même besoin de savoir comment ça va se passer dans les semaines et les mois à venir, sur quelle orientation vous allez vous diriger en fonction de vos entreprises, est-ce qu'il y a d'autres freins? Voilà. Merci. Et enfin, Madame Corneloup. Merci, Monsieur le Président. Madame, Messieurs, lorsque je vous entends, j'ai envie de dire que ce soit les masques ou que ce soit les tests, même constat. À la fois un manque d'anticipation, une doctrine qui change et aucun des acteurs concernés n'est informé. Des ordres, des contre-ordres, l'absence d'autonomie que nous avons connue dans les masques, nous la connaissons également dans les tests. Et puis la même problématique opérationnelle au niveau des masques, la logistique de distribution qui a été extrêmement compliquée. Et finalement les mêmes difficultés que vous rencontrez aujourd'hui dans la mise en œuvre de la réalisation des tests. J'ai bien entendu les problématiques quant à l'arbre décisionnel qui est extrêmement compliqué et qui génère énormément de retard et de manque de réactivité. J'ai entendu ce besoin de tests massifs aujourd'hui et vous évoquiez effectivement la problématique de tester énormément de personnes avec parfois un taux de positivité qui est de l'ordre de 1%. Est-ce judicieux? Et je voulais savoir qu'est-ce que vous préconisez par rapport à cela? Comment faut-il justement prioriser et qui doit le faire? Et puis, une question également par rapport à ce nombre de personnes importantes qui est testé négatif. Ne pensez-vous pas qu'il faut qu'il y ait une vraie pédagogie autour de ce test négatif? Parce qu'aujourd'hui, j'ai tout de même l'impression, pour avoir rencontré un certain nombre de personnes qui se sont fait tester négatives, qu'elles ont l'impression que le problème est résolu parce qu'elles ont été testées négatives, alors qu'en fait, nous le savons, le résultat n'est que ponctuel et qu'une semaine plus tard, elles peuvent être à nouveau testées positives. Donc il me semble important qu'un accompagnement ait lieu, une pédagogie s'installe. Qu'en pensez-vous? Merci. Merci beaucoup, mais je vous laisse répondre. Eh ben, allez-y. Ok, merci. Alors déjà, sur votre dernière question, alors c'est vrai, mais je dirais qu'il y a les deux excès, c'est-à-dire qu'à la fois des gens qui sont négatifs se croient complètement immunisés alors que non. Mais on a aussi eu, par exemple, dans les EHPAD, des patients des EHPAD testés toutes les semaines, enfin j'exagère à peine. Ils ont eu des sérologies positives et on a continué encore à les tester. Alors que là, il aurait fallu faire une cartographie des personnes dont ce n'est plus la peine de... Voilà, donc déjà, en effet, il manque cette priorisation aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on a dit test, 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 etc. Mais c'est vrai que là, en ce moment, on a vraiment besoin d'avoir un cadre, je pense, et qui pourrait mettre en place ensemble. Alors ensuite, vous disiez le manque d'anticipation, ordre contre ordre. Honnêtement, on n'avait jamais vécu cette situation. On avait connu H1N1, on avait connu d'autres épidémies
mais honnêtement, qui n'a jamais eu cette ampleur. Et je pense qu'aujourd'hui, on est quand même bien mieux armé qu'au début pour faire face, pour être très, très réactif, pour tracer les patients positifs, etc. Mais pour être plus efficient, peut-être qu'en effet, vous posiez la question, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Pour moi, il faudrait informatiser. Le CIDEP a été pour moi un vrai succès et je pense qu'il faut continuer à avoir un dossier médical partagé informatique, ce qui éviterait de faire des redondances, ce qui permettrait de ne pas, par exemple, faire une sérologie VIH chez un patient connu positif 20 fois de suite, alors qu'en réalité, il est connu, donc ça ne sert à rien de lui refaire sa sérologie, enfin, des exemples comme ça. Et je pense qu'on a vraiment besoin de rentrer dans le 21e siècle. Et c'est vraiment ce que prône notre syndicat, en tout cas, c'est vraiment de s'informatiser, de s'équiper, etc. Mais je pense qu'avec le CIDEP, j'espère qu'on va continuer. Ensuite, les équipements. C'est vrai qu'on les a, tous les labos ne les avaient pas. Et c'est vrai qu'il y a eu une concentration des labos, mais il y a quand même eu, il faut quand même le dire, des laboratoires qui sont des grands groupes et qui ont été extrêmement performants pour tester massivement. Donc il faut quand même le souligner. Et puis, comment mieux cibler ? Alors, en effet, c'est une question qui est ouverte, mais on a parlé du retour des sujets qui reviennent de voyage. Je pense qu'il faudrait vraiment, en effet, qu'on ait ce cadre. Et enfin, moi, dans mon laboratoire, par exemple, on a voulu embaucher massivement des techniciens, mais les techniciens, c'est hyper dur à trouver, par exemple. Les infirmières, c'est hyper dur à trouver. Donc, même si on veut embaucher, c'est pas si facile que ça aussi. Voilà. Et moi, j'en ai fini. Merci beaucoup. Deux points, je vous laisse le reste, parce que je ne prends pas tout. Il faut vous dire que ce n'est pas un problème d'argent. C'est qu'on ne trouve pas ni infirmière, ni technicien. C'est infernal. Première chose. Deuxième chose, très vite, pour les appareils, moi, je voudrais que ce soit François qui réponde pour les appareils. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que... le problème, c'est que maintenant, on va pouvoir accepter toutes les personnes qui veulent faire des tests sans ordonnance. Alors, c'est bien et pas bien, parce que sans ordonnance, ça veut dire que n'importe qui peut venir pour faire des tests, revenir. Je me pose la question sur savoir si est-ce que c'est bien que les gens peuvent aller dans les laboratoires faire des tests sans ordonnance. Est-ce que ça va pas créer des gens qui reviennent plusieurs fois parce qu'ils sont inquiets et voilà. Je pose la question. Hein. Est-ce que c'est bien ou pas bien ? Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. François, je te laisse là-dessus pour la réponse sur les appareils. Alors, pour finir, par rapport aux problèmes d'embauche, bon, c'est vrai qu'on a des problèmes, mais on a aussi des phases de formation. On a, dans le cadre de l'accréditation, des habilitations. Donc un personnel, on ne prend pas une secrétaire, on ne la met pas derrière notre informatique et elle enregistre les gens qui arrivent. Ce n'est pas comme ça. Il faut un mois de formation, minimum. Donc vous voyez, et les techniciens, c'est pareil, il faut qu'ils s'habituent, il faut qu'on les habilite. Enfin, on a tout un cheminement. On ne peut pas prendre une personne et la mettre au travail tout de suite. Ça, ce n'est pas possible. Donc il faut une anticipation et c'est compliqué. Et encore une fois, on a des difficultés à trouver des personnes pour faire ça. Pardon ? Non, mais non seulement il faut qu'il y ait une formation de base, donc c'est ce qu'on vous dit, on a besoin d'infirmiers, on a besoin de techniciens, on a besoin de secrétaires médicales, mais en plus, on doit habiliter ces gens, ces personnes, dans nos laboratoires, à notre propre technique, à notre façon de travailler. Et ça, c'est une obligation, c'est dans le cadre de l'accréditation. Donc ça, cette formation-là, elle est interne, elle est propre, elle doit être tracée, et c'est chronophage. Et quand on est en tension de personnes, il faut déléguer des personnes pour aller former ces personnes-là. Donc c'est un peu compliqué. Sans compter, c'est comme l'ont dit mon confrère, qu'on ne trouve pas beaucoup de gens qui sont déjà formés de base pour ce type de profession. Donc pour répondre par rapport aux automates, maintenant on a des automates qu'on appelle ouverts. On a deux types d'automates. On a des automates qui sont de grosse cadence, qui sont plutôt ouverts, sur lesquels on peut adapter un certain nombre de techniques. Heureusement, on n'aura pas que le Covid, et c'est pour ça d'ailleurs je vous ai dit l'urgence de
du problème de la grippe saisonnière qui va venir se rajouter au problème du Covid. Donc ça c'est... Mais ce type d'appareils pourront traiter ce même... Puisque la technique est comparable. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas les mêmes amorces, on n'utilise pas les mêmes réactifs, mais de la même manière, par exemple, qu'on fait une glycémie, un cholestérol sur une machine, on peut faire une PCR de grippe, une PCR de Clostridium difficile, une PCR de paludisme sur ces machines. Donc on a des grosses machines qui ont plutôt tendance à être ouvertes, qui servent à des grosses cadences, et on a des petites machines qui ont plutôt tendance à être des systèmes fermés. Mais c'est pour répondre à certaines problématiques. Par exemple, des problématiques d'urgence. Comme je vous ai dit, je travaille dans une clinique. On a des praticiens, donc les urgentistes nous demandent, ils ont besoin pour faire le tri des patients, de savoir si justement ils ont le Covid ou pas, ou s'ils ont un problème de grippe en hiver. Donc ça permet de trier les patients et c'est de manière importante. Mais on n'utilise pas le même type d'appareil pour faire ce genre de choses au coup par coup que pour faire des gros volumes, pour faire 700 000 tests. Voilà. Donc, et majoritairement, nous, dans notre laboratoire, on a les deux équipements. Et on est obligé, pour répondre aux besoins de la population, d'avoir ces deux types d'équipements. Il est évident qu'à un moment donné, il va falloir cibler les patients. Sinon, on va emboliser complètement le système. Parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont anxiogènes. On les voit déjà au téléphone. On est harcelé de coups de téléphone, plus ou moins pertinents. Et ça embolise pour les réels besoins de la population. Donc ça, c'est un vrai problème de fond. Donc je pense que, oui, cibler majoritairement, augmenter les capacités de prélèvement, augmenter tout, mais à un moment donné, il faut cibler, parce qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Sinon, c'est au détriment des uns pour les autres. Donc je pense qu'il faut quand même hiérarchiser les besoins. Pour compléter, essayer d'être un peu plus précis, effectivement, pour revoir nos collègues, utiliser les mêmes automates, les reconvertir, pouvoir faire d'autres tests dessus, ça, on va tout à fait dans le sens que vous demandez, c'est ce qu'il faudrait faire. La question, c'est de faire évoluer la nomenclature de nos actes. Et dès qu'on veut supprimer, vous prenez la VTS de sédimentation, qui est un acte pour la plupart du temps qui n'est plus obsolète, ça fait 25 ans qu'on demande. Ça, il y a toujours un expert à la chaise qui lève en disant « non, j'ai besoin d'eux pour tel cas, etc. » Donc on est dans une évolution de la nomenclature de nos actes. Peut-être qu'il faut, de l'occasion de cette crise, la remettre à plat, la faire évoluer vers de la biologie moléculaire. Je vous ai dit, nous, dans 1999, ça faisait partie déjà des options qu'on défendait à l'époque. Et voyez, 20 ans plus tard, où on en est. Donc, il y a peut-être quelque chose qu'il faut bousculer aujourd'hui, effectivement, pour que les choses avancent plus vite et que les décisions de validation d'un certain nombre de technologies dont nous avons tous besoin, demain aux urgences, vous venez, on vous fait une méningite, un liquide céphalorachidien, en une heure, on peut savoir votre diagnostic. La biologie moléculaire peut apporter des réponses extrêmement performantes. Il faut pouvoir les utiliser, mais nous, dans le privé, contrairement au public, il faut qu'on puisse le facturer. Et donc, il faut que l'acte soit répertorié. Sinon, vous ne pouvez pas le faire. Ou alors, vous le faites au détriment d'autres choses pour passer les choses comme ça. Donc, oui, l'évolution parfaitement de ce qu'il faut faire, et effectivement, arriver à moderniser notre nomenclature. Ça, je pense qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Pour madame, ce que vous dites sur les temps d'attente, sur les délais, tout le monde l'a constaté, tous les journalistes parisiens sont allés dans les laboratoires, tout le monde l'a constaté. C'est quand même un petit peu dépendant de chaque groupe. Il y a des groupes qui se sont organisés, qui ont effectivement embauché. Il y a des gens qui ont organisé des plages plus grandes. Je crois qu'à un moment donné, c'est vrai qu'il faut se poser la question collectivement de ce qu'on peut faire pour absorber une quantité énorme de patients dans un temps très court. Et donc, ça va se poser la question de la rentrée. Si cette vague continue à augmenter et si elle augmente en septembre et tout, à un moment donné, on se posera obligatoirement la question du dépistage à plus grande ampleur. Et à ce moment-là, il faut que tous les gens soient présents, privés comme publics, et que tout le monde soit là. Et ça, il faut clairement y arriver. En ce qui concerne les critères des cas symptomatiques, je poserai la question. Parce qu'il y a aujourd'hui des patients qui viennent dans notre laboratoire pour un bilan tout à fait banal que vous avez de surveillance, de prévention, et qui sont des asymptomatiques positifs. Nous, on ne le sait pas. On n'a pas fait de PCR, ils n'ont pas fait de sérologie. Donc la question qu'on se pose, nous, c'est prioriser, oui, quand il y a des symptomatiques et que le médecin nous les envoie et que c'est le cas R0, mais le reste du temps, c'est vrai qu'il faut faire attention à tout le monde.
Et donc, en faisant attention à tout le monde, obligatoirement, vous n'avez pas de multiples salles, et donc il y aura évidemment des queues qui vont se manifester dans les rues. Moi, je n'ai pas de cas quasiment dans l'Indre-et-Loire, on a très peu de cas, et pourtant, moi, tous les matins, j'ai 20 personnes qui font la queue devant mon laboratoire, ce qui est logique par rapport au nombre de gens qu'on rentre en même temps. Donc ça, on n'arrivera pas à épuiser cette image-là. Par contre, posez-vous la question du politique, du dépistage massif, comment on s'organise? Parce que ce n'est pas de dire on prend une décision et après vous faites. Il y a un moment donné, il faut qu'on soit, et mes collègues l'ont souligné, le fait qu'on ait des directives très claires. Nous, au départ, on avait le droit, M. Ciotti, de dépister que certaines personnes et pas d'autres. Et tous les autres, ils devaient payer d'ailleurs, ce qui n'était pas, à mon sens, tout à fait normal. Ils devaient payer parce qu'ils n'avaient pas d'ordonnance, parce qu'ils n'étaient pas dans le cas qui rentrait sur l'ordonnance, etc. Donc là, on avait une vraie distorsion entre les gens. Et aujourd'hui, il faut aplanir ces choses-là. Aujourd'hui, nous avons le droit de prendre sur un billet d'avion uniquement les patients français qui vont dans les îles. Mais il y a plein de patients qui partent ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas scanner leur billet d'avion puisque ce n'est pas autorisé. Donc, vous voyez, il y a toutes ces questions-là qu'il faut arriver. Donc, dépister, oui. Organiser, oui, certainement. Critérioriser, est-ce qu'on le fait encore ou pas? Mais il faut que ça soit très clair pour nous, parce que dans ce cas-là, il faut arriver les choses. Et deuxièmement, pour les critères d'entreprise. Monsieur, je comprends très bien votre souci quand vous me posez la question. Quand vous avez une volumétrie de consommables, d'actes qui augmente de 3% par an et qu'on vous autorise chaque année 0,15% d'augmentation, vous faites comment à un moment donné? Parce qu'on nous a demandé d'embaucher des qualiticiens, des ingénieurs qualité, on a souvent maintenant des gestionnaires de stock, on a des coursiers, on a bien sûr embauché maintenant des infirmières, ce qu'on ne faisait pas il y a une dizaine d'années, ensuite, etc. Donc tous ces gens-là, et à un moment donné, en tant que chef d'entreprise, vous vous posez la question. Ok, je suis content, mais moi, si votre chiffre d'affaires, je l'inscrirai tous les ans avec 0,15 de plus et uniquement 0,15, en sachant que votre masse de réactifs augmente, vos charges augmentent, et vous avez 3% mathématiquement chaque année en volume. La volumétrie des prescriptions des médecins, c'est 3%, entre 3 et 4% chaque année. Donc vous faites comment? À un moment donné, il faut que vous rentabilisez. Donc quand l'embauche aujourd'hui que vous nous dites, ok, on peut la faire dans une certaine mesure, mais elle n'est pas totalement extensible. Et dans ce cas-là, vous mettez en péril l'entreprise. Je vous rappelle qu'on a quand même une branche. On a des accords nationaux. On a augmenté les salaires au 1er juillet. On a une branche avec qui on discute les centrales syndicales. Et donc, on a de l'intéressement, de la distribution. On a des primes. On a des primes Covid qu'on a distribuées. On a complété les salaires à 16%. Et on a fait appel au chômage. J'ai demandé les chiffres à Bruno Le Maire. On a des chauffages qu'on n'a pas fait appel pendant très peu de temps, puisque c'est entre le 17 mars et fin avril, quasiment au mois de mai, on essayait de reprendre une activité normale. Donc, gérer une entreprise, ok. Dire qu'on peut embaucher, vous venez avec moi, il n'y a pas de problème, et puis on verra ça tous les deux. En ce qui concerne le manque d'anticipation et la forme et le manque de distribution, écoutez, moi je pense que prévoir la guerre, évidemment, c'est s'organiser avant. Je pense qu'effectivement, dès le mois de janvier-février, il aurait fallu qu'il y ait une organisation. Vous pensez que nous sommes allés dans des EHPAD. Certaines ARS ne connaissaient même pas les noms des résidents dedans. On n'arrivait pas à trouver qui était dedans. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, soit l'administration connaît tout sur le terrain, connaît les choses, et dans ce cas-là, on y va, on sait, on vient dans un EHPAD, on sait qu'il y a 50 ou 60 personnes à... Comme dit Stéphanie, on les a prises 3 semaines ou 4 semaines de suite. Et donc, à ce moment-là, on connaît tout le monde. Mais quand on vient, on sait qui on contrôle. Il y a des EHPAD, on est arrivé, on ne savait même pas qui il y avait dedans. Le directeur disait, ah, vous voulez une liste de quoi de... Bah, je peux vous le dire, hein, ça s'est passé dans l'Indre. Donc, on l'a vécu. Donc, c'est ça qui est important. La communication, vous avez dit, elle est parfaite. Il faut vraiment communiquer. On ne va pas revenir dans une pédagogie de l'HIV. Hein. L'HIV, les gens vont venir au laboratoire pour sécuriser. Puis, 3 semaines plus tard, ils ont un comportement anormal. Et dans ce cas-là, ils vont recontrôler, et ainsi de suite, sans jamais que ça s'arrête. Pour répondre à madame qui faisait une réflexion sur les infirmières, nous avons signé le syndicat avec le SNIL, avec l'ONSIL, avec la FNI, avec tous les infirmiers, pour la création de l'AMI 3,1. J'ai plaidé auprès de Nicolas Larevelle la création d'une clé spécifique pour que les infirmières puissent prélever dans les drives, dans les laboratoires. Là où nous heurtons, et des problèmes que n'a pas résolu que l'ordre des infirmières bloqués, c'est qu'une infirmière ne peut pas être payée directement par le laboratoire. Tous les soirs, elle est obligée de donner la liste des 50 patients qu'elle a fait, faire son décompte sur son ordinateur, envoyer la facture de prélèvement à la Sécurité sociale. Parce que l'ordre des infirmiers nous a bloqués, parce qu'il y a des dichotomies, des machins, etc. Donc on n'a pas pu régler. On n'a pas pu régler le problème des remplaçantes. Pas du tout. Avec les SAPAM du coin, les remplaçantes, on ne pouvait pas.
Donc c'est vrai qu'il y a eu un certain nombre de blocages. Mais il y a environ 15 jours, Daniel Guilherme à la FNI a posé un plan blanc des libéraux. Et je suis d'accord, parce qu'on a discuté ensemble. Il faut qu'on ait une organisation libérale, en cas de crise, qui soit capable de prendre le relais. Et ça, à partir de ce moment-là, ça irait très bien. Et je suis d'accord avec vous. Oui, mais je suis d'accord avec vous. Faut qu'on travaille. Parce que s'il y a des blocages à un moment donné et que les libéraux... Nous, on a formé... le jour où on a annoncé dans notre laboratoire qu'on prenait des infirmières libérales, il y a eu 84 demandes. Alors, c'est vrai qu'on arrose l'Indre, on arrose un peu différents départements, mais il y a eu 84 demandes de formation. Et bien sûr que les libérales étaient intéressées. Évidemment, c'est normal. Et on les a formées sur place. Et elles sont venues travailler avec nous. Bon, elles faisaient une partie de leur travail, mais c'est vrai qu'elles faisaient moins d'activités et qu'elles étaient contentes aussi de trouver aussi cette activité-là à ce moment-là. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Le système libéral doit être organisé et doit être privilégié pour pouvoir travailler. Mais aujourd'hui, face à un dépistage massif tel qu'on veut le faire, si on me donne demain une ville de 250 000 habitants à dépister, c'est pas juste les libéraux, juste les biologistes qu'on pourra y arriver. Ça, je peux vous dire, on peut essayer tant qu'on veut, mais ça, on n'y arrivera pas comme ça du premier coup avec un claquement de doigts et ça va se passer comme ça. Donc il faut vraiment, hein, monsieur le Président, il faut vraiment une organisation coordonnée des soins et c'est un peu... Excusez-moi. Mais... Je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit François. Pour prolonger une note un peu plus optimiste, pour reparler des automates, je pense que beaucoup après cette crise, que ce soit enfin, des petites structures ou des grosses structures, se sont équipées avec des automates ouverts, parce qu'il existe des automates petite cadence et haute cadence ouverts. Avant, on était manifestement essentiellement sur des automates fermés. Encore faut-il, comme on l'évoquait, que en faible cadence, ces automates soient rentables, en répondant à un besoin local précis. Effectivement, tester le tout venant, je ne sais pas si c'est très pertinent. Je pense que beaucoup de biologistes voudraient qu'on cible un peu les aéroports, les regroupements, etc. Pour revenir sur notre tension en ressources humaines, effectivement, les infirmières libérales avec qui nous collaborions, déjà c'est administrativement, très lourd. Ensuite, leur activité libérale a repris. Donc elles sont appelées à s'occuper de leurs propres patients. Comme le disait le docteur Perrotto, effectivement, il y a un certain temps, une certaine latence, on n'est pas adaptable, on n'est pas extensible instantanément pour nos ressources humaines. Et donc, effectivement, ça prend au moins un mois et demi pour engager et pour, en tout cas, pour former des collaborateurs. Enfin, je pense comme François, enfin, nos syndicats pensent comme François qu'il faut plus coordonner les biologistes, les médecins et les ARS. Alors, il existe parmi les biologistes des réseaux, soit des réseaux capitalistiques intégrés, Innovi, Biogroup, etc. Il existe des réseaux de biologistes indépendants, le LBI, il existe. Et ces réseaux, c'est vrai, communiquent assez mal entre eux. Et peut-être que organiser, articuler leurs réponses coordonnées sur un lieu particulier peut être profitable. Pour répondre, parce qu'effectivement, aujourd'hui, si on lance des campagnes de dépistage qui sont à l'échelle d'une ville, un seul laboratoire ne peut pas y arriver. Merci. Merci beaucoup. Bah, écoutez, il me reste à vous remercier pour votre participation. Mes chers collègues, on se retrouve demain à 10h30 en salle 63-50. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. 10h30.